Hey, bonjour! Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur la page Facebook de l'École branchée. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas déjà abonné à la page de l'École branchée, bien, c'est le moment de le faire maintenant. Si vous découvrez l'École branchée pour la première fois et que vous dites l'école, c'est l'école de quoi? Mais sachez que l'École branchée, c'est le média qui informent et qui forment les enseignants dans le développement de leur expertise professionnelle à l'ère du numérique. C'est un bonheur pour moi de vous convier à cet apéro en éducation qui va nous permettre de faire un retour sur le rendez-vous pour la réussite éducative, donc l'éducation au-delà de la pandémie. Qu'est-ce qui se passait durant cet événement qui a eu lieu hier et qui s'est continué aujourd'hui? Mais c'était un moment d'échanger des propositions qui étaient orientées sur trois axes autour de la persévérance scolaire et de la réussite des jeunes. Donc, les trois axes étaient la réussite éducative et le rattrapage, le bien-être et la santé mentale, et l'organisation scolaire et l'encadrement pédagogique. Donc, tous les participants ont pu répondre à différentes questions et faire des propositions. D'ailleurs, vous êtes aussi invités à soumettre un mémoire au plus tard le 9 avril prochain. Mon souhait durant cet apéro, c'est de nous créer un lieu d'échange autour de ce thème essentiel qui est la persévérance scolaire, puis de vous permettre d'entendre nos acteurs du milieu de l'éducation, vous partager leur expérience, leurs réflexions, de les entendre, mais aussi, puisque c'est sur Facebook, de vous permettre d'échanger avec eux. J'aurai aussi des maîtres Jedi, donc des collègues de l'École branchée, qui vont aussi bonifier les échanges dans le fil de Facebook de cet événement-là. Fait qu'ayez un bon moment, parce que pour moi, c'est le temps de souligner tout ce qu'on a accompli ensemble dans un contexte qui est pour le moins hors de l'ordinaire. Donc, tous les acteurs de l'éducation méritent qu'on leur lève notre verre et je vais faire ce premier toast à votre agentivité. Ça, c'est un mot que j'aime vraiment beaucoup. Eh hey, oui, ouvrez donc toutes les invités, votre caméra. Un petit clic, on vous lève notre verre pour commencer. J'espère que vous avez l'apéro, vous autres aussi, en main. Et c'est un mot que j'aime beaucoup qui me vient de Michel Deschênes et je vais inviter mes amis Jedi, à vous partager ben, ce que c'est la gentilité, parce que pour moi, c'est un nouveau mot et je l'ai adoré. Donc là, j'ai l'immense bonheur d'avoir avec moi tout plein d'invités que vous avez vus, qu'ils ont ouvert leur caméra, qui sont avec nous. On va leur redemander de refermer la caméra. Mais comment ça va se passer, cet échange-là? Je vais recevoir d'abord deux trios d'invités. Je vais m'entretenir aussi en tête-à-tête avec Marois. J'ai également eu la chance d'avoir un échange avec notre ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et donc on va vous le présenter en rediffusion. Puis je vais terminer avec mon troisième trio qui est composé de nos analystes orientés sur les solutions. D'abord, je vais demander à mes trois invités d'ouvrir leur caméra. Ce sont pour moi, c'est pour moi un trio qui est essentiel. C'est Gabrielle, Annie et Juliette. Marois, c'est pas encore ton tour. Savais qu'on allait avoir des bons moments comme ça. Tu peux fermer ta caméra. Et Juliette. Donc, Annie, Gabrielle et Juliette forment pour moi le trio essentiel, une élève, un enseignant, un parent. Donc, Juliette Blouin, pendant que je vous présente, ouvrez vos caméras. Ouvrez vos caméras. Gabriel, il est enseignant en mathématiques au secondaire à l'école du Mont-Sainte-Anne, donc au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Bonjour, Gabriel. Bonjour Stéphanie. Yeah, merci d'être là. Ça fait plaisir. Juliette Blouin, maintenant, c'est une élève de 5e secondaire. Tu peux ouvrir ton micro, Juliette? Juliette, elle est au Mont-Sainte-Anne. Allô! Puis, son parcours a été particulièrement difficile jusqu'à la fin de sa troisième année du secondaire, mais aujourd'hui, son enseignant, Gabriel, m'avait dit,
Aujourd'hui, elle réussit non seulement très bien, mais c'est une élève, une jeune qui est particulièrement impliquée dans son milieu. Et donc, bonjour, bienvenue. Merci, Juliette, d'être là. Et j'ai Annie Goudreau qui, elle, est de Gatineau. Bonjour! Belle région de Gatineau, qui est maman de deux ados. Des ados qui sont au secondaire puis qui ont différents troubles d'apprentissage. Oui. Et d'autres handicaps que tu dis invisibles, effectivement. Il y en a un qui a toujours été au régulier, puis un autre qui, lui, a eu besoin d'avoir de vivre un parcours avec des adaptations scolaires, c'est ça? Exactement, oui. Fait que ce que j'ai bien aimé, Annie, dans ton parcours, tu l'as dit, puis je pense que tu auras le temps d'en parler, c'est que tu as dû te réinventer régulièrement au travers du parcours scolaire de tes enfants. Oui, exactement. Encore plus pendant cette période de pandémie avec les changements, l'école à la maison, des fois non. Ça a été de l'adaptation là, tous les jours. Exactement. Là, j'ai le goût... d'abord, on va lever notre verre ensemble, toutes les trois. Là. On va lever notre verre parce que tous les acteurs du milieu de l'éducation méritent qu'on leur lève notre verre. Santé! 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 J'ai envie d'entendre Juliette. C'est pour moi, la voix des élèves, elle est tellement importante. On a besoin de les entendre, de les écouter. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vécu comme difficulté durant ton parcours scolaire? Je veux juste mentionner le plus important pour ceux qui ne sachent pas, la majorité, je dirais. J'ai une surdité sourde. Je me trompe déjà dans mes mots. Il n'y a vraiment pas de problème, Juliette, c'est parfait. Je suis sourde des deux oreilles, une surdité complète, mais avec un implant cochléaire d'un seul côté, donc je reste sourde à temps plein d'une oreille. Puis j'ai fait deux écoles secondaires, je suis rendue à Mont-Saint-Anne, mais j'étais dans une autre école de mon secondaire 1 à 3. Puis ça a été particulièrement dur au niveau de la vie scolaire, la vie sociale, les notes, c'est toutes des choses que j'ai dû me battre un peu pour. Puis, ce qui est important à dire, c'est que j'ai jamais pu avoir la vie sociale et la vie académique en même temps à mon ancienne école. Ça a été un défi pour moi. Puis, il fallait toujours que je mette mon effort sur l'un ou sur l'autre. J'avais jamais l'autre, si ça fait du sens. C'est ça. J'ai jamais pu avoir les deux. Puis, quand je suis arrivée au Mont-Saint-Anne, j'ai vraiment aimé le fait que dès que je suis arrivée, la journée d'accueil en secondaire 4, on m'a promis une vie sociale. Puis je pensais même pas au niveau académique à ce point-là, mais c'est ça, on m'a présenté quelqu'un qui est ma meilleure amie actuellement, encore aujourd'hui. Puis oui, c'est ça. Fait que dès le premier jour, j'ai pu être en bonne confiance, en bonne main, puis j'ai pu me concentrer sur mes notes, ma réussite scolaire. Grâce à Gabriel, beaucoup en mathématiques, je coulais mes maths, j'avais des notes de 55, 60, et malheureusement des fois des 30% à mon ancienne école. Puis ma première note, peut-être que Gabriel s'en souvient, 98%. Ça a bien fonctionné. Quel impact ça fait comme différence, un milieu, les gens qui sont autour de toi, vie sociale, vie scolaire, qu'est-ce qui a fait que ça a été difficile de cohabiter les deux ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, j'ai pas très bien. Mais t'as dit, j'ai toujours eu de la difficulté à avoir soit une vie scolaire, soit une vie sociale, ben, tu sais, qui était épanouissante et riche, les deux pour toi. Qu'est-ce qui a causé ça? Mais dans le fond, c'est qu'avec ma surdité, j'ai vécu de l'intimidation. Fait que de mettre mon énergie sur une chose, ça me prenait vraiment. Ça me prenait toute mon énergie, vraiment, puis ça pouvait vraiment me déstabiliser. Je revenais à la maison le soir, je pleurais parce qu'il y avait telle affaire qui s'est arrivée dans le jour. Puis le lendemain, j'avais un examen et ça marchait pas, là, tu sais. Faut juste trouver un équilibre parfait entre les deux, puis ça s'est trouvé que c'était juste une mauvaise période de ma vie, puis ça a pas fonctionné à ce moment-là. Juliette, merci tellement de le nommer parce que c'est vrai pour beaucoup d'élèves et c'est une préoccupation extrêmement importante à porter à notre attention comme adultes qui œuvrent autour de vous, les jeunes, parce qu'on va se le rappeler, la Fondation en tête nous le rappelle, il y a un ado sur quatre qui ose parler de ses problèmes à un adulte. Un ado sur quatre. Donc, c'est à nous d'ouvrir les portes, d'écouter, d'être attentifs quand il y a un changement où les notes scolaires sont pas au rendez-vous, à nous d'enquêter. Et quand on a des mesures d'aide qui sont au rendez-vous, c'est aussi aux adultes de les mettre en place, n'est-ce pas, Juliette?
Oui, je suis d'accord avec toi. J'étais pas dans cette situation-là avant. Quand il fallait que je demande l'aide à mes professeurs, je me sentais carrément comme une intruse. Genre, est-ce que c'est correct que je demande de l'aide? Mais en réalité, oui, mais je ne savais pas. Fait que quand je suis arrivée ici, j'ai découvert de nouveaux professeurs, des professeurs qui prennent le devant, tu sais, ça fait vraiment du bien, ça amène un vent de fraîcheur. Ça fait la différence, puis ça m'amène à aller vers Gabrielle. Gabrielle, ça a été cet enseignant qui a accueilli Juliette. Oui. J'aimerais que tu nous dises d'abord, comme enseignant, c'est quoi pour toi? Comment tu le vois, ce que c'est la persévérance scolaire? Pour moi, la persévérance scolaire, là, ça passe beaucoup par la communication qu'on a, nous, ben, je dis les enseignants, mais même tous les autres intervenants de l'école avec les jeunes. C'est vraiment ce lien-là qui va être important. Je crois que quelqu'un, on est tous des êtres émotifs, hein, puis je pense que les jeunes vivent beaucoup leurs émotions, ils les vivent plus fort peut-être que les adultes. On apprend avec nous, on apprend mieux quand nos émotions sont bonnes. Donc, je pense que le lien est vraiment important dans la persévérance scolaire. C'est un des enjeux les plus grands, selon moi. Une deuxième chose qui est importante, c'est notre communication, mais même dans les évaluations. Puis, c'est mon plus grand changement cette année, puis dans les dernières années. Je pense que la pandémie m'a fait comprendre que je ne pouvais pas évaluer de la même façon que les années précédentes. Puis, parce que, est-ce que je peux, je voulais juste pas proposer aux élèves un miroir qui leur montre est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais à toutes les évaluations. Est-ce que, tu sais, quand on est bon, il n'y a pas trop de problèmes quand ça va bien dans nos notes, mais quand ça ne va pas bien, trois, quatre fois de suite, là, on commence à se poser des questions. Donc, on l'entend souvent, c'est une phrase cliché, mais mettre l'évaluation au service de l'apprentissage, puis c'est vraiment vers ça qu'on s'est tourné. J'ai vu des beaux gestes, on aura le temps d'en parler un peu plus tard, là, mais des beaux gestes, puis des beaux revirements de situation de plusieurs enseignants dans notre école, là, pour changer leur évaluation, changer leur méthode de communication aux jeunes. Au lieu de communiquer des notes, des pourcentages, est-ce qu'on peut communiquer aussi des mots? Est-ce qu'on peut communiquer les difficultés sont où? Faire notre focus sur l'apprentissage plus que sur le résultat. Exact, puis que ce soit le plus précis possible pour que le jeune puisse comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y a Exactement. aussi là l'importance du processus d'apprentissage, qu'il comprenne ce que ça veut dire l'évaluation. Et tu as dit aussi quelque chose qui était super important pour toi. Qu'est-ce que, tu sais, ça passe aussi par, tu me disais, la perception des élèves face à leur réussite. Exactement, oui. Parce que si tu as dans ta tête, c'est réglé que tu ne peux pas réussir, probablement que tu ne feras pas les actions qu'il faut pour réussir. Parce que tu sais déjà que tu ne peux pas. Mais on sait très bien que l'élève peut quand même le faire. C'est juste que présentement, il ne le sait pas. Et je pense que c'est un des premiers travails qu'il faut faire, c'est leur faire vivre des petites réussites pour qu'un jour, ce soit des belles réussites. Fait que je pense le gros du travail se fait là, faire vivre des petites réussites aux élèves. Puis cette année, je pense qu'on a été tourné beaucoup vers ça parce qu'il y a eu beaucoup de côtés de sphères de vie qui ont été amputés. Mais faire vivre des petites réussites, je pense que ça amène vers la réussite scolaire finalement, la persévérance scolaire. Définitivement. Puis toi, Juliette, avant d'arriver au Mont-Saint-Anne, est-ce que tu avais l'impression que tu pouvais vivre ces réussites-là parce que tu nous as parlé de tes notes qui ont particulièrement changé? Ben, je dirais que mes professeurs avaient donné beaucoup de support, étaient là. Il y avait ce qu'il fallait. C'est juste, je pense, de réaliser qu'il fallait que j'aie des meilleures notes, puis réaliser que je pouvais le faire. Comparément à quand je suis arrivée ici, c'était pas la même chose parce que selon moi, j'étais vraiment quelqu'un de différent. Puis, comme Gabriel le dit un peu, juste d'admettre ton but, de réaliser que tu as besoin d'aide, de réaliser, par exemple, les meilleures notes, de réaliser que c'est ça qu'il faut. Puis que tu en as besoin, c'est là que tu peux mettre les actions nécessaires pour réaliser tes buts ultimes, si on peut dire. Définitivement. Oui. Maintenant, Annie, Oui. comme mère, comment ça se passe? Comment tu vois ton rôle face à la persévérance scolaire et à la réussite de tes garçons? Ben, en fait, chez nous, premièrement, on a été très chanceux parce que pour mes garçons, ça a toujours bien été, malgré tout. J'ai pas eu de problème au niveau psychologique ou au niveau de la. Ils étaient pas tristes. Puis j'irais même plus loin. En fait, l'école à la maison, pour eux, ou les petites restrictions qu'il y avait, ça a eu du bon.
parce que ça a permis un enseignement qui était plus proximal dans un sens. Ils pouvaient interagir directement avec l'enseignant, contrairement à quand ils sont en classe où il y a beaucoup trop d'élèves. Donc, de ce côté-là, chez nous, ça a super bien fonctionné. Puis, en même temps, avec leurs défis, depuis qu'ils sont tout petits, ben nous, depuis qu'ils peuvent marcher, parler, là, qu'on célèbre toutes les petites réussites, c'est vraiment venu me chercher, là, Gabrielle, ce que tu as dit, parce que tout est une raison de célébrer. Justement parce que c'est plus difficile, oui. On lève notre verre à toutes ces réussites de tous les élèves, de tous les jeunes, puis à ce qu'on peut faire pour leur faire vivre ces réussites-là. En effet. Puis c'est ça, j'aime ça aussi entendre des enseignants qui disent que c'est pas nécessaire de donner une note ou quelque chose comme ça, de faire une évaluation qui va faire vivre des échecs. Parce que, en fait, ce qui est important pour le jeune, c'est pas la note qu'il a en bout de ligne, c'est de savoir est-ce qu'il a compris ou pas. Puis, je l'ai tellement vécu souvent avec mes deux enfants qui ont tous les deux une dyspraxie motrice, donc qui ont une calligraphie de marde, disons-le ici. Et puis, ils mettaient tellement d'efforts dans la calligraphie, évidemment, ils n'étaient pas capables de se rappeler comment écrire les mots. Mais quand on le faisait à l'oral, c'était parfait. Sauf que les évaluations se faisaient sur ce qui était écrit. Alors, on a travaillé très fort, autant eux que moi, pour faire comprendre que si on fait l'évaluation par écrit, on va savoir c'est quoi le résultat. Donc, la persévérance chez nous, j'ai des grands champions à la maison parce qu'ils ont persévéré en tabarouette là, pour faire comprendre qu'ils savaient, ils n'étaient juste pas capables de l'écrire. Puis ça, c'est comme ça dans la vie de tous les jours, dans absolument tout, là, dans tous les domaines. Donc, ce qu'on fait, nous, pour la persévérance, que moi, je fais comme maman, c'est ça, c'est célébrer les petites victoires, toujours, peu importe ce que c'est. Si j'ai un de mes fils qui m'arrive avec un 61%, je vais être super fière parce qu'il a compris 61% de la matière. Je ne vais pas être fâchée parce qu'il n'a pas compris le 40-quelques autres pourcents, là. Donc, je pense que c'est sur ça là, qu'il faut focusser, faire vivre des victoires, puis leur faire savoir qu'ils sont bons. Et qui sont importants, qui sont des personnes importantes, qui sont en train de devenir. Puis je pense que c'est ça notre rôle comme adultes autour d'eux, qu'on peut avoir de commun, peu importe le rôle plus formel qu'on a, parents, enseignants, intervenants, tout ça, directeur d'école, c'est de leur faire savoir qu'ils comptent, qu'ils sont importants, puis qu'on peut les influencer positivement à rester sur une voie où ils progressent, tu sais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tellement, vas-y, je m'en allais vers toi. Oui, les notes scolaires, là, j'ai envie de dire que c'est pas dans toutes les situations, mais souvent quand tu as une mauvaise note, de mon côté, ça a été ça aussi à mon ancienne école, mais quand tu as une mauvaise note, c'est pas nécessairement parce que t'es pas bon dans cette matière-là ou que tu peux avoir très mal étudié, mais souvent c'est juste parce que t'as pas les ressources pour étudier la matière ou juste parce que t'as pas le prof qui t'aide de la bonne manière ou juste simplement pas les ressources. Et une fois que tu les as, tu les acquéris, c'est là que tu peux réussir. C'est tellement, c'est de comprendre aussi le contexte. Toi, comme élève, si tu as eu cette note-là, elle veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que tu n'as justement pas accordé assez de temps? Est-ce que c'est parce que tu ne savais pas comment? Tu sais, il y a plein d'autres facteurs. Puis plus on comprend ça, plus on peut continuer d'avancer à la prochaine étape. Exact. Maintenant, de toute la dernière année qu'on a vécue, qu'est-ce qu'on garde de beau de ces expériences-là? Ou Juliette, plus précisément, de ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu gardes de beau? Qu'est-ce que tu aimerais que... laissez savoir à Gabrielle qui a eu un impact positif sur toi. Gabrielle, écoute attentivement. Ah ouais, je t'ouvre la porte, Juliette, grande même. Mais je garde de vous le fait que les professeurs qui m'ont touchée au Mont-Saint-Anne, comme Gabrielle, en fait, tu sais, comme certaines actions comme moi, qui a besoin qu'un plan d'intervention avec plein de détails, j'ai pas besoin d'en rajouter si les professeurs prennent vraiment attention à
au plan d'intervention, ben ils prennent les mesures en place, puis j'ai pas besoin d'aller les voir. Comme Gabriel, une affaire que, honnêtement, personne n'avait jamais faite au passé, j'exagère même pas quand c'est quelqu'un qui n'est pas ma famille, mais juste quand je lève la main, je pose une question, il vient me voir à mon bureau, il me demande, Juliette, est-ce que je te parle du bon côté? Du bon côté de l'oreille, vu que j'entends pas de l'autre. La première fois que c'est arrivé, j'étais réellement troublée, vraiment. Puis c'est des petites actions comme ça qui font la différence. Les professeurs qui mettent les notes de cours. Mon prof d'histoire qui me croise dans le couloir, il me dit, Juliette, au prochain cours, on visionne un documentaire historique. J'ai vérifié qu'il y avait des sites, je l'ai écouté à l'avance. Bravo, chapeau. Puis d'autres actions comme les professeurs qui font juste prendre des nouvelles. Je pense que Gabriel n'était pas le seul, mais en tant que pandémie, l'an passé, les professeurs prenaient le temps d'appeler les élèves pour voir comment ça allait. Qu'ils aient fini l'école ou pas, moi, je dois dire que j'étais du côté des élèves qui avaient arrêté un peu en cours de chemin. Je ne savais pas trop quoi dire, mais ils faisaient juste voir comment j'allais, comment j'ai à la job, n'importe quoi. Puis ça, vraiment, je trouve que c'est une belle action. Puis du moins pour moi qui n'étais pas au courant, ça a fait du bien. Ça fait du bien et ça fait la différence. Oui. Gabriel, pour toi, qu'est-ce qu'on garde de beau de toute cette expérience-là? En fait, le positif, si je parle, parce que le contexte pandémique a encore tellement changé de choses, mais les choses que je garde là puis que je vais réappliquer dans les années suivantes, ou en tout cas des choses que j'aimerais réappliquer dans les années suivantes, les essentiels cette année qu'on a eu. On change de sujet, mais les essentiels, pour moi, ça a été quelque chose de bon parce que je peux jouer en deux temps avec mes élèves, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont académiquement plus vite que d'autres, mais ces élèves-là, je les pousse plus loin, mais les élèves qui vont académiquement moins vite, je peux juste m'assurer que la base soit bien maîtrisée. Donc, j'ai le temps de faire ça. Puis, je serais surpris, si on avait les prochaines années, on pouvait baisser un petit peu le curriculum, le nombre de choses à voir absolument, puis donner de la place à la créativité des enseignants. Je serais prêt à parier qu'on pourrait être gagnant là-dedans. Puis fait que ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Je pense la pandémie l'a prouvé, le contexte l'a prouvé. Les intervenants scolaires sont pleins de ressources. Si on leur donne l'opportunité, ils vont créer des choses qui sont de très belles choses. Une deuxième chose que j'aimerais qu'on garde positif, bien, comme je parlais tantôt, l'évaluation. Fait que j'ai vu beaucoup de gens changer leur évaluation, leur façon de communiquer. Enfin, il faut dire si l'élève est capable de passer au niveau suivant. Donc, il y a une évaluation qui se fait. Mais comme Annie disait tantôt, là, comment on communique aux jeunes? Est-ce qu'on peut lui dire, ils sont où leurs difficultés au lieu de leur dire 74 % 22 % 88 %? Ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Là. Puis, fait que c'est ça. Puis, j'ai un commentaire constructif. J'aimerais ça, on était capable, dans les années suivantes, avoir le matériel qu'il faut, c'est-à-dire les outils qu'il faut, informatique. Présentement, nous autres, à l'école, on travaille avec la GRIX, puis les outils qu'on a nous permettent seulement de noter avec des examens, des tests, des pondérations, comme on faisait il y a plusieurs années. Mais avoir ces outils-là, avec d'autres outils pour vraiment évaluer les compétences des jeunes, puis pas leur donner seulement des notes, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la persévérance scolaire. Wow! Pour avoir un impact. Puis toi, Annie, de ton côté, comme mère ou pour tes garçons, qu'est-ce que tu souhaites qu'on garde de beau de cette période-là? Je souhaite le lien qui s'est créé, en quelque sorte, entre les enseignants et les jeunes. J'ai trouvé, puis pas juste avec les jeunes, entre les enseignants, puis les parents aussi. On dirait que cette année, la communication a été encore plus intense, plus proche, peut-être parce qu'on n'avait pas le choix de se parler pour savoir où on s'enlignait parce que les choses changeaient tellement vite. Donc, cette proximité-là, je trouve que c'est important de la conserver. Moi, personnellement, autant dans la classe adaptée que dans les classes régulières, j'ai jamais autant communiqué avec les équipes écoles. Puis, c'est pas parce que je suis une maman gossante. C'est juste comme... C'était comme ça, on dirait que tout le monde s'échangeait, tout le monde se parlait. Je ne sais pas si c'était l'écran qui fait ça ou c'est facile d'écrire. T'sais. Beaucoup plus facile dans un sens que de prendre 5 minutes de son temps puis de rencontrer en personne. C'est un peu plate de le dire comme ça, sauf que c'est quand même le côté qui est positif, la communication puis les échanges que ça a permis.
Ça a multiplié les opportunités, les canaux de communication qu'on avait au travers de différents outils. Puis ce que tu décris, moi, je le nomme comme la relation de coéducation entre l'école et la famille. Elle est essentielle. Et à combien de fois on s'est rendu compte qu'elle était importante justement pour ne pas perdre le fil et savoir comment on peut mieux travailler ensemble, parce que c'est nous, les adultes, autour des jeunes pour les appuyer dans leur réussite scolaire. Pour finir avec vous, mes merveilleux premiers invités de cet apéro, Juliette, où est-ce que tu t'en vas maintenant? J'ai le goût que tu nous partages un peu tes succès. Bien sûr, si tu veux. dans le fond, c'est ça, en temps de pandémie, je pense que je parle pour tous les étudiants de secondaire 4, même, mais de secondaire 5 en majorité. On a dû prendre des décisions difficiles en imaginant un peu ce que le futur serait avec le COVID-19, parce qu'on veut voir ce qu'on veut faire dans le futur avec le cégep, les DEP, peu importe où tu es en ligne, de prévoir ce que ça va être, et c'est vraiment dur. Puis on a eu de la difficulté à prendre les décisions. Les professeurs étaient là pour nous, et le professeur d'éducation, choix de carrière. Et on a la chance d'avoir ce cours-là à l'école Mont-Saint-Anne. Puis sans ça, je pense qu'on serait un peu. Pas sur le mauvais chemin, mais on manquerait d'informations selon moi. Puis grâce à eux, ben, j'avais à prendre la décision entre rester au cégep ici à Sainte-Foy en graphisme, qui est 30 minutes de chez moi, si on peut dire ça comme ça, ou aller au cégep de Matane en Gaspésie à plus de 5h30 de route. Je peux dire que le choix, c'est pas est-ce que je veux faire un professionnel ou cégep, c'est vraiment est-ce que je déménage toute seule loin de chez moi, où je reste dans le confort de chez moi à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Je me suis posé la question longtemps, je me disais, mais quand j'ai lu la liste des cours, ça m'a frappé. J'ai juste réalisé, je veux aller à Matane dans un programme de photographie que je tiens à dire, le seul à Québec. Sinon, au Québec, le seul au Québec, c'est à Matane. Le seul à Québec. Fait que, ben c'est ça, je m'en vais à Matane au mois d'août pour faire une technique en photo. Et tu as été. Puis, les professeurs m'ont vraiment aidé. Ma prof de français, beaucoup, à chaque cours. Ah, Juliette, telle affaire, là, ça s'est-tu bien passé? Est-ce que tu as fait ça? Genre, moi, sérieux, ça fait du bien. J'aime ça, entendre ça. Puis de voir que le monde pense à moi, puis m'aider comme ça. Ça fait la différence. Qu'elle a reçu sa réponse plus tôt que ce qui était supposé. Et elle est acceptée. Une semaine et demie. Félicitations. Gabrielle, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne d'important sur notre impact ton impact comme enseignant sur la réussite des jeunes? Je pense que pour les intervenants là, dans un milieu scolaire, créer la création du lien, créer le lien avec les jeunes, avoir plus de liens comme j'ai pu avoir avec Juliette, qui est une élève extraordinaire, que des liens comme ça, des histoires comme ça, là, c'est ce qui nous fait vivre, ça me donne le courage d'en faire d'autres, ça me donne la volonté d'en donner plus de moi-même pour pouvoir vivre ça. Fait que créer ce lien-là, puis la communication qu'on parlait tantôt, moi, puis même Annie a continué là-dessus. Là. Fait que cette communication-là qui avec les jeunes, leur montrer ce qu'ils sont capables de faire. Merci. Annie, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne? Je souhaite qu'on retienne que les jeunes sont extraordinaires. Ils sont résilients, ils sont persévérants. Il faut leur faire confiance, puis il faut croire en eux. Puis en tant que parents, on a souvent tendance à vouloir mettre les breaks un peu pour pas qu'ils vivent les échecs que nous, on a peut-être vécu plus jeunes. On est des petites poules inquiètes. Oui, oui. Mais de ce que je vois là, partout autour de moi avec mes fils, ils sont tellement meilleurs que nous sur plusieurs choses. Ils ont tellement plus de persévérance, de résilience face aux défis. Il faut leur faire confiance. Fait que si on peut là, juste croire en eux puis leur dire « Go mon grand, t'es capable! » Ça va super bien aller. Faut croire en nos professeurs, c'est ça que tu as dit? Yes! Mm-hmm. On y croit! Hey, merci à vous trois! Je vous laisse
Passez un superbe congé de Pâques. Félicitations, Juliette. Merci, Annie, Gabrielle, de votre présence. Continuez ce que vous faites d'extraordinaire. Et puis, on a été vraiment fiers à l'École branchée de vous recevoir. Je vous laisse vous téléporter en fermant votre caméra et votre micro. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci à vous. C'est tellement hot de les entendre. Ça met tellement bien la table avec nos gens de terrain. Maintenant, je vais inviter mon deuxième trio, mes gens de cœur qui ont été présents, qui ont participé au rendez-vous pour la réussite des jeunes. Alors, j'accueille M. Carl Ouellet, qui est directeur, qui a été longtemps directeur d'école au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Il est maintenant président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, la QPDE. Salut, Carl! Oui. Micro ouvert? Yes, sir! Oui. On a Madame Josée Scalabrini. Bonjour, Josée. Hello. Josée, ben, elle est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE-CSQ. Josée, j'aime ton message quand vous mentionnez que vous valorisez la voix des enseignants, des enseignantes. Ils sont essentiels, ils sont importants. Puis moi, j'ai vu quelque chose d'intéressant sur toi. Tu es représentante fièrement de la quatrième génération d'enseignantes de ta famille. C'est donc bien hot! Puis j'ai le goût de dire que c'est pas la présidente qui est avec toi ici ce soir, c'est l'enseignante. Hein? Parce que le jour où tu deviens enseignante, tu es enseignante à vie. Pour toujours! Parle à des enseignantes qui sont à la retraite et elles vont te dire qu'elles sont encore enseignantes. Quand il se passe quelque chose en éducation, là, elles se sentent interpellées. C'est l'enseignante qui parle ce soir. Définitivement. Et on a la chance d'avoir André Meilleur-Périard, qui est présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative et aussi directrice générale chez Réseau Réussite Montréal. Bienvenue, bonjour, André! Ça me fait plaisir! Hey, pour nous, là, on le dit souvent à l'École branchée, les défis à l'ère du numérique sont d'abord humains et ils sont relationnels. Puis les jeunes, ils comptent sur nous. Puis là, on va prendre le temps ensemble de relever notre verre encore une fois à tous nos acteurs du milieu de l'éducation. C'est un apéro festif et on tient à souligner ce qui a été fait au quotidien depuis toujours, particulièrement dans le contexte qu'on a connu depuis l'année dernière. Là, Josée, ben, tu sais, j'ai envie de vous entendre sur une note personnelle. Tu sais, Josée, elle l'a dit, tu sais, moi, je suis d'abord ici comme enseignante, mais on le sait, il y a toujours eu quelqu'un de particulier dans notre parcours de vie, parcours scolaire, qui nous a marqué. Toi, Josée, qui a marqué ton parcours? C'est difficile pour moi parce que tu orientais tantôt vers le secondaire, mais moi, j'aurais eu le goût de nommer les Bertha, les Monique, les Noëlla. Mais là, je vais te nommer Gabrielle Bouchard. Ah! Parce que Gabrielle, tantôt, il est venu chercher la petite fille en moi. Et je l'appelle Gabrielle, mais c'est Marjolaine Gagné. C'est l'enseignante qui ressemblait tellement, c'était mon Gabrielle. Une enseignante pour qui, quand elle te parlait, tu étais unique au monde. Tu avais l'impression, même si elle était dans une classe où on était 25 ou 28, tu étais unique. Et c'était une enseignante qui cherchait toujours, elle était où ta difficulté? Tu sais, quand on parlait de l'évaluation tantôt, l'évaluation qui a été pendant des années au service de l'élève, pas au service d'un système, pas au service de des statistiques, qui était au service de l'élève. Ton évaluation te permettait de voir elle est où la difficulté, puis Marjolaine, elle voulait la comprendre. Elle voulait savoir c'était quoi ta difficulté puis t'accompagner là-dedans. Donc, pour moi, elle n'a pas été... elle n'a pas que marqué ma vie d'étudiante, elle a marqué ma vie d'enseignante. Je me suis toujours identifiée à Marjolaine, même quand j'ai été dans l'enseignement. Donc, j'aurais pu te nommer plein de gens, j'aurais pu te nommer Sœur Simone, parce que oui, j'étais à l'époque des Sœurs Simone, qui n'était pas une enseignante, qui était plutôt, elle s'occupait de la discipline, mais encore une fois, c'était une femme qui respirait la joie de vivre et qui aimait tous les enseignants qu'elle croisait dans le corridor. Non pas que je la rencontrais à cause des problèmes de discipline, là, j'étais tellement un ange, une modèle, mais c'est des gens comme ça qui nous ont frappés parce que tu étais important et parce qu'il y avait le temps de s'occuper
des élèves à l'époque où on avait plus de temps dans la réalité des classes qu'on avait. Carl, toi, et vous pouvez garder vos micros ouverts, hein, c'est bien correct. Carl, toi, qu'est-ce qui t'a donné le goût à l'école? J'ai pas vraiment d'enseignant là, qui, tu sais, que je me levais le matin et j'allais à l'école pour lui ou pour elle. J'ai quand même deux enseignants dans mon parcours secondaire à la polyvalente d'Arvida. On salue les gens d'Arvida. Deux enseignants en français qui m'ont fait aimer le français, justement. Secondaire 4, secondaire 5, Mme Cormier en secondaire 4, M. Simard en secondaire 5. Puis ils m'ont fait comprendre l'importance du français, surtout à l'écriture. Ça me suit encore aujourd'hui. Ça, pour eux, pour moi, c'était vraiment important. Je te dirais que dans mes, aussi loin que je me souvienne, la persévérance et ma motivation venaient beaucoup des activités scolaires, parascolaires. Cinquième, sixième année du primaire, j'étais impliqué, on demeurait à Chibougamau dans ce temps-là. On salue les gens de Chibougamau. Je participais aux activités sportives, je participais aux spectacles de fin d'année, à la fête de l'Halloween. J'ai continué au secondaire en m'impliquant aussi. Là, on a déménagé un petit peu plus tard au Saguenay. Puis j'ai continué à m'impliquer là, dans la vie parascolaire. Même chose, là, le sport, la culture, l'improvisation. J'étais président de mon école en secondaire 5 à la polyvalente. Puis comme enseignant ensuite, comme direction adjointe et comme directeur, j'ai continué de m'impliquer aussi dans la vie de mes écoles. Monsieur Pichette, que vous allez voir dans votre dernier bloc, était un de mes super enseignants en maths sciences. Donc, il vous le confirmera. Mais j'ai continué à participer avec les jeunes, avec les enseignants, avec le personnel là, à différents défis, prof-élève, impro, génie en herbe, sportif, spectacle. J'ai chanté dans des spectacles de fin d'année. Donc, c'est pas mal ça qui me motivait, moi, à l'école. C'est tout ce qui était... Oui, c'était important, l'école, mais le autour, là, le social et les activités, pour moi, c'était le autour, mais ça reste dans l'école. Puis c'est vrai à quel point c'est le fun quand nos enseignants, la direction, vit des activités ou participe à des activités, même si des fois, on a donc ben la fou dans un karaoké ou dans différentes choses. Moi, je me souviens de bons moments comme ça avec des gens de notre école. André, toi, vas-y. Même dans les balles de finissants à la fin, les élèves, les finissants venaient me voir, me dire « Hey, monsieur Ouellet, c'était le fun, on vous voyait, vous participez aux activités. » Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, je pense que j'ai peut-être aidé des jeunes aussi là, à persévérer, moi aussi. Donc, je le vois comme ça, en tout cas. Mais assurément, il y a un impact, mais on ne le sait pas toujours à ce moment-là. André, pour toi? Pour moi, ben, je dirais qu'il y a deux, il y a peut-être deux moments marquants qui ont beaucoup influencé ma vie dans mon parcours scolaire. Le premier, c'est ma maman. Moi, à la fin de ma première année, j'avais beaucoup de difficultés à lire. On pensait me faire couler ma première année. Aujourd'hui, on sait que ça s'appelle de la dyslexie puis de la dysorthographie. Je l'ai bien découvert devenant maman, moi aussi, mais on n'en avait pas parlé à mon père, puis on n'en parlait pas pour moi. Et ma mère m'a fait lire tout l'été le petit livre là, avec le petit canard. Je ne sais pas si ça rappelle des souvenirs aux gens, là, mais Léa a un tutu rose. Léo a pris la moto de papa. Et différentes histoires comme ça, ce qui fait que j'ai pu poursuivre mon primaire sans couler. Fait que je pense que ma mère a joué un rôle déterminant avec tout ce que je sais sur la persévérance scolaire. Un enfant qui a un retard de lecture avant l'âge de 8 ans, les impacts que ça peut avoir sur son parcours. Alors, ma maman... Et en sixième année, Serge, mon prof de sixième année, mes parents ont toujours cru à l'école publique. Quand ils ont déménagé au centre-ville de Montréal, ils nous ont inscrits à l'école de quartier qui était une des plus défavorisées de Montréal. C'est là que j'ai découvert, un, qu'on n'était pas tous égaux, qu'on n'avait pas tous les mêmes chances dans la vie, là. J'étais un petit peu extraterrestre. Je pense que ça fait naître toute ma fibre sociale. Et puis Serge, mon prof de sixième année, qui avait vraiment une pédagogie par projet, qui a créé un conseil étudiant. J'ai été présidente de ma classe. Ben, écoutez, j'ai fini présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, moi, quand j'étais étudiante. Fait que ça a vraiment marqué ma vie. J'ai fait mon bac en enseignement préscolaire primaire. Finalement, je n'ai pas enseigné, mais l'éducation et les politiques sociales ont toujours été au cœur de mon parcours. Wow, André!
T'sais, maintenant, comment on peut contribuer à la persévérance scolaire des jeunes, Carl? Quelles opportunités, dans le fond, on peut saisir encore pour mieux les entourer, les jeunes? Bien, ça donne bien que tu me poses la question. Justement, au rendez-vous pour la réussite hier, moi j'étais hier après-midi, puis on a proposé plusieurs idées, dont une qu'on avait déjà proposée il y a quelques années. On est revenu avec les membres de direction pour la ressortir aujourd'hui. On appelle ça des aides des assistants enseignants. Donc, c'est du personnel qui viendrait donner, supporter les élèves dans la classe, viendrait supporter les enseignants, le personnel, dans des tâches un petit peu plus cléricales, des tâches où, pendant que l'enseignant s'occupe des élèves en difficulté, mais l'aide d'enseignant peut gérer la classe, peut faire d'autres choses avec les autres élèves. Si un prof, un enseignant veut faire une activité, une sortie au musée, peu importe, bien, cette personne-là pourrait réserver les autobus, réserver le musée. Donc, vraiment en supporter là, la vie de la classe. C'est certain que les questions que les gens nous posent, c'est « ouais, mais on est déjà en manque de personnel, comment on fait ça? » Mais il y a une possibilité de regarder, surtout au primaire, du côté des techniciennes en service de garde, les filles, je dis les filles là, parce qu'en service de garde, il y a plusieurs filles, et les éducatrices là, qui pourraient donner un coup de main au lieu de faire des horaires coupés. C'est peut-être un bon moyen là, qui passe la journée à l'école, qui nous supporte. Donc, on est en train de définir cette idée-là, là, mais on veut la pousser un petit peu plus loin. Quelle bonne idée. André, tu sais, de ton expérience, c'est quoi les gestes les plus simples qu'on peut faire ou qu'on peut poser qui peuvent avoir un impact positif sur la persévérance et la réussite des jeunes? On en a souvent parlé, les encouragements. Puis on a même sondé les jeunes, puis des jeunes qui avaient songé à décrocher puis qui ne l'avaient pas fait. Puis pour plus de 30 % d'entre eux, ce qui avait fait la différence dans leur parcours, c'est les encouragements. Donc, ne pas hésiter à encourager, prendre des nouvelles, s'intéresser à leurs projets, s'intéresser à ce qu'ils aiment, pas juste à leurs notes à l'école, hein, à ce qui les passionne. Donc, maintenir le contact et puis encourager. Voilà. C'est simple, mais on l'entend. C'est important. Oui, on l'a entendu aussi de la part de Juliette, ça fait un bel écho à ce que tu as dit, puis Gabriel le nomme avec le lien qui part. Oui. J'ai des collègues à Esquad Edu qui disent « Pour savoir si cette personne-là a besoin d'encouragement, demande-toi si elle respire. » Si elle respire, il y a besoin d'encouragement. Oui. Josée, on parle à quel point les enseignants ont un effet incroyable sur la réussite, la persévérance des jeunes. Tu en as parlé déjà quand tu as parlé de ton parcours à toi. Qu'est-ce qui est important encore plus de considérer ou encore plus de mettre en lumière dans ce qui est fait par les enseignants? Nous permettre de faire ce pour lequel on avait une passion quand on a décidé d'aller à l'université. C'est-à-dire nous permettre d'enseigner. Ce que l'école a fait à travers les dernières années, ce qui est devenu... Écoutez, Juliette, elle a dit, là, ce qui la marquait comme étudiante, là, c'est quand son enseignant a du temps pour elle. Il pose des petits gestes qui viennent la chercher, qui viennent la surprendre. Présentement, dans le contexte de ce que l'on vit, avec le nombre d'élèves dans les classes, avec tout ce qu'on nous demande en classe, le fait d'être au service du système plutôt qu'au service de l'élève, la composition de la classe même. Socialement, on a fait des choix. Puis on ne veut pas renier les choix, mais on n'a pas eu l'appui qu'on demandait dans ces choix-là. On a été intégré les élèves en difficulté, c'était correct. Mais en même temps, on a sorti nos meilleurs élèves, nos élèves qui avaient le plus de facilité par des projets particuliers, sélectifs, qu'on les a mis ensemble. Mais notre classe dite régulière est plus régulière et le temps qu'on avait pour passer avec nos élèves, s'occuper de nos élèves, c'est plus là. Carl dit, on pourrait peut-être trouver une autre personne pour venir en appui. J'ai rien contre ça, moi, toutes les réservations d'autobus, j'ai rien contre ça. Mais comme enseignant, je veux être capable de développer mon lien avec mes élèves. Je veux m'occuper des élèves. Et si on en met moins dans ma classe ou qu'on met pas toutes les plus grandes difficultés ensemble, je vais avoir ce temps-là pour mes élèves. Savoir essentiel. Gabriel l'a dit tantôt, on est venu focusser pour dire c'est quoi l'essentiel du programme pour que je puisse pousser ceux qui peuvent aller plus vite,
mais m'attarder avec ceux qui ont plus besoin de nous. Un enseignant dans une classe, c'est la personne signifiante. On vous l'a dit tantôt, hein? On avait des images quand vous nous avez demandé qui vous a frappé. On se rappelle de l'enseignant qui avait du temps pour nous. Puis je vous ai dit, vous me déchirez, là. Pourquoi choisir entre Monique, Bertin et Noëlla au primaire? Je les ai toutes les trois aimées. Elles représentaient quelque chose pour moi. Oui, mais elles avaient le temps de s'occuper des élèves à l'époque parce que l'évaluation était au service de l'élève, qu'on pouvait l'accompagner. Se fier au jugement professionnel des enseignants, jamais oublié, qui ont quand même 4 ans d'université là, pour devenir enseignants et leur laisser l'espace avec leur élève pour accompagner leur élève. Pour moi, c'est ce qui demeure le plus important. Laisser du temps, prendre le temps de donner de la place à la créativité, à faire ce qui nous importe. C'est fou comment le temps passe vite et qu'il file et que j'aime vous entendre. C'est un privilège d'être avec vous. Mais la dernière chose que j'aimerais peut-être entendre, c'est s'il y avait une chose, parce qu'il s'est vécu des apprentissages extraordinaires, il y a des projets, des gestes, des incroyables qui ont été faits à vitesse grand V dans la dernière année. De tous ces apprentissages-là, pour vous, s'il y a une chose qu'on doit garder, ce serait laquelle pour terminer cet échange-là? Josée, je repars avec toi. Oui. Ce serait laquelle? Ne jamais oublier que ce qu'on a découvert des technologies et de l'enseignement à distance, c'est un support, mais que jamais rien ne remplacera l'être humain. Vous l'avez entendu tantôt, une mère qui a dit là, parler avec les enseignants, être avec les enseignants. Donc, jamais penser qu'on va remplacer les enseignants par des machines, par de la technologie. Mais oui, c'est important pour se dépanner. Oui, c'est important pour garder nos liens pendant cette pandémie-là, mais il faudra toujours qu'on se rappelle que l'enseignant il est important dans une classe. Ce lien-là, enseigner, là, c'est être capable de saisir, même dans son physique, pas rien que dans ses paroles, dans son physique, ce que vit ton élève. Puis l'élève, lui, quand il te voit enseigner, c'est pas juste dans ce que tu dis, c'est dans ce que tu lui transmets, dans ta mimique, dans tout ce que tu es. Donc, ne jamais penser qu'on va remplacer l'être humain. Puis l'essentiel, c'est d'être à l'école avec nos élèves. L'essentiel, c'est d'être aimé. Et toi, André, qu'est-ce que tu dirais qu'on doit garder de tout ce qu'on a appris de ces grands moments-là? Que l'accès à Internet haute vitesse, c'est une priorité qu'on s'en occupe et que tout le monde ait accès à ça, que ceci n'est pas un outil qui permet de faire de l'école en ligne, puis que c'est pas que des familles pauvres qui n'ont pas 4 ordinateurs qui fonctionnent super bien pour que 4 personnes en même temps fassent du télétravail et puissent aller à l'école. Tu sais, je pense que là, on a garni nos stocks, puis je pense que c'est ma petite fille sociale qui sort, mais je pense que c'est important. Puis aussi, je pense qu'on commence à découvrir, il va falloir pousser plus loin, mais on a été beaucoup axé sur la tâche hein, dans ce virage numérique-là. Puis je dirais qu'on a encore à apprendre à mettre de la place pour de l'informel, de la socialisation. Puis je suis d'accord avec Josée, ce qu'elle a dit, là, on ne remplace pas un enseignant, puis le présentiel, puis on en a besoin. Mais je pense que même dans le numérique, on a encore à apprendre à comment on met de l'informel, de la socialisation, puis qu'on laisse de la place on laisse de la place à l'humain dans l'écran. Qu'on crée des moments qui sont extrêmement importants, qui sont riches, même à travers les écrans, parce que nous, on le vit régulièrement à l'école branchée, effectivement. Ça peut être possible d'avoir un lien, même si on est dans ce contexte-là, et on le sait que ce n'est pas le meilleur contexte possible. Carl, pour toi, doit retenir? Je reviens encore à la vie scolaire. Je donne un exemple. Hier, quand on est dans la région de Québec et quand on a commencé à avoir des rumeurs sur la fermeture des écoles, j'ai un de mes collègues au secondaire à Lévis qui m'a appelé pour me dire « Mes jeunes braillent présentement là, parce qu'ils sont encore en confinement. » Donc, cette vie-là, ce social-là, je pense que ça manque beaucoup aux élèves. Mais je pense qu'il faut retenir la résilience des élèves dans ce contexte-là. Les élèves sont forts, c'est incroyable. La créativité des équipes écoles, des enseignants, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés, c'est incroyable. Puis je finirai avec le leadership des directions aussi, parce que dans le fond, c'est eux qui ont rendu leur milieu stimulant. On a essayé de faire de notre mieux et surtout sécuritaire. Yes!
tant de préoccupations, mais tant de gens extrêmement importants au service des jeunes. Ça a été un privilège de vous rencontrer pour cet apéro. Je vous lève mon verre, vous êtes importants et tous les acteurs du milieu de l'éducation méritent qu'on leur relève notre verre à cet apéro. Acteurs. Merci, merci. Je vous laisse quitter cet apéro en fermant votre micro et votre caméra. Merci à chacun de vous. Bonne soirée. Merci, Josée. Bye, Carl, André. Merci. Maintenant, je suis maintenant prête pour un tête-à-tête. C'est mon tête-à-tête avec Marwa Rizki, qui est une femme remarquable par son engagement politique, qui défend une vision d'ouverture et d'ambition, qui est actuellement députée dans la circonscription de Saint-Laurent et qui est à l'opposition officielle de en matière d'éducation, hein, je le dis correctement. Bonjour Marwa, ouvre-moi ton micro. Yes. Allô, tellement contente! Salut, comment ça va? Je dois t'avouer que je vais voler l'expression de José Scalabrini, dire « c'est mon moment, rayon de soleil, être avec vous aujourd'hui ». J'ai eu des grosses semaines et quand j'ai reçu l'invitation, j'ai fait « wow, quelle belle initiative ». Et je te dis tout de suite, Stéphanie, il va falloir répéter l'expérience. Ben, je pense que ça va me faire plaisir, ça va nous faire plaisir à l'École branchée de refaire vivre un moment comme ça en direct. Alors, Marwa, qu'est-ce que tu bois? Je prends des bulles, vu qu'il y a eu beaucoup de questions de bulles dans la dernière année. Définitivement. À quoi t'aimerais qu'on lève notre verre? Aux équipes écoles. Je pense que ça a été l'année la plus éprouvante. Puis, ils ont été extraordinaires. Dès l'expression « se virer de bord sur un 17 », ben, ça a vraiment été le cas. Alors, à eux, là, c'est sincèrement, là, vous avez porté l'année scolaire littéralement à bout de bras, puis vous avez été hyper créatifs. Même si des fois, on a le vent d'en face, que je dis « si », on a eu le vent d'en face. Puis moi, j'ai eu des profs sur le terrain, là, tout le temps avec le sourire, des personnes du sein scolaire, là, disant « OK, c'est pas grave, on va trouver une solution. » Des professionnels de soutien, vraiment se retoucher les manches, puis des directions d'école, répondre à des courriels après 10 heures le soir. J'en reviens pas. Donc à eux, là, bravo! Je le sais, puis à tous ces moments où on... Attends un peu, on va boire une gorgée, là. Marwa! Santé, ma chère Stéphanie! Et à tous ces moments, particulièrement où on le sait, à un moment donné, tout le monde, il y en a qui le disent, on a mis un genou à terre, on en avait trop, on a eu besoin de ventiler à quel point le soutien entre collègues, avec les parents, avec leur équipe, ils se sont relevés puis ils ont continué de faire des choses extraordinaires. Fait que oui, ils méritent qu'on leur lève notre verre. Marwa, j'ai écouté ton entrevue au Franc-Tireur où tu parles de ton contexte familial. Tu sais, je veux qu'on en parle sur une note qui est personnelle. On est tous touchés par la persévérance scolaire. Puis dans ton contexte familial, mais tu as connu de la violence par ton père. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à réussir avec brio? Écoute, ça, faut que j'en parle sans pleurer. Hein? À chaque fois, c'est le défi. ma mère est arrivée au Québec, puis la vérité, même si elle venait du Maroc, il y a plein de gens qui parlent français, mais ma mère ne parlait pas le français. Elle a perdu son père très jeune. Ma mère, ma grand-mère qui est sa mère, est aveugle. Donc, ma mère quitte le Maroc pour s'en venir au Québec pour travailler, pour prendre des sous. Elle était convaincue qu'on avait les meilleurs médecins au Canada pour faire venir ma grand-mère pour qu'elle retrouve la vie. Plus tard, elle s'est rendue compte que ma grand-mère est venue. Moi, elle me trimballait, j'avais 5 ans, puis elle me trimballait de médecin spécialiste à d'autres. Puis non, ça n'arrivera pas, puis ma mère qui pleurait à chaque fois. Mais bref, elle arrive ici, elle rencontre mon père, se marie avec. Ma grande-sœur est déficiente intellectuelle. Mon père battait ma mère même durant sa grossesse. Puis moi, j'ai toujours été très revendicatrice, puis j'ai toujours défendu ma mère. Donc, j'étais le mouton noir
que quand mon père battait ma mère, se virait de bord et s'en prenait à moi, j'ai passé un été de temps enfermée dans une cave, puis tous les jours débarquait à 7h le matin jusqu'à 23h le soir, débarquait, me tapait, m'étranglait, j'attends que je tombe. Puis tu sais, maintenant, je suis capable d'en parler, puis j'ai toujours le trémolo. Puis la raison pourquoi, au fond, je crois beaucoup à l'éducation, un jour, ma mère a voulu aller à l'école, elle s'est inscrite, elle est allée. Quand elle est revenue, mon père avait changé les serrures. Et il a évidemment frappé. Malgré tout ça, mais en maternelle, moi, j'étais à la maternelle 4 ans à temps partiel, maternelle 5 ans aussi. À l'époque, c'était aussi à temps partiel. Pauline, ma professeure de maternelle 5 ans, a bien vu que ma mère avait 3 enfants à l'école primaire, dont aussi mon petit frère, le 4e enfant, bébé. Et elle venait, elle, le matin, venir nous chercher, traverser la rue pour nous amener à l'école, mais de son propre chef. Et mes profs au primaire ont aidé ma mère. Ils ont bien vu que c'était une femme intelligente, mais qui était dans une très mauvaise posture. Puis un jour, il est arrivé quelque chose, puis je sais que c'est pas bien de dire que c'est quelque chose de positif, là, mais je vais le dire pareil. Mon père a eu une infarctus, il est tombé malade, il rentre à l'hôpital pendant un mois de temps dans le coma. Mais ce mois de temps dans le coma a libéré la charge mentale que ma mère avait besoin, parce qu'à tous les jours, elle se faisait traiter de conne. Tous les jours. Puis à ce moment-là, elle a comme compris. Puis moi, j'ai dit, il faut qu'on s'en aille avant qu'il tue. Puis on est. Mon père est revenu. Ma mère, écoutez, elle l'a repris parce qu'il était invalide. Puis dès qu'elle était capable de se remettre à marcher, ils sont séparés. Ma mère est allée à l'école. Elle a appris à lire et à écrire. Alors, au fond, moi, je suis allée à l'école aussi loin que j'ai fait avec. On n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'une famille fortunée, mais pas en tout. Parce que ma mère m'a dit un jour, Marois, si tu veux pas venir comme moi, femme de ménage, je vais à l'école. Mais ma mère, finalement, n'a pas fini femme de ménage. Elle a commencé avec des ménages. Après ça, elle a travaillé en CPE. Puis par la suite, ma mère, avec son institution, ça s'est bien passé pour elle. Puis maintenant, elle va très bien. Puis des fois, les gens l'arrêtent dans la rue puis ils disent « Oh, madame! » Puis ils parlent comme si c'était encore une femme battue. Mais ma mère a changé. Là, c'est plus une femme battue. Elle s'affirme. Elle a appris à lire et à écrire. Puis à lire aussi, puis à comprendre ce qui se passe aussi sur ma soeur, qui a une déficience intellectuelle, la schizophrénie, tout ça. Alors, c'est sûr que l'école, ça a donné les ailes à ma mère, puis le coffre à outils dont elle avait besoin pour devenir enfin cette femme épanouie. Puis ça a été fait avec des enseignants de mon école primaire qui l'ont soutenue. Le rôle et l'impact humain des enseignants, des gens qui sont là autour et tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. Puis, tu sais, t'en témoignes là. C'est vivre dans un contexte comme ça, ça devrait jamais arriver à personne, mais il y a des moyens, effectivement, de s'émanciper. Il y a des ressources aussi qui sont là. Fait que, Marwa, merci de le témoigner, merci de le dire. Puis, aujourd'hui, comment tu vois que le milieu de l'éducation peut continuer de contribuer à la persévérance scolaire? Là, il y a eu plein de propositions qui ont eu lieu dans le rendez-vous pour la réussite éducative. Qu'est-ce que tu sens qui peut avoir encore un impact hyper important? La première des choses, moi, j'ai avoué que j'étais professeure à l'université, puis je ne connaissais rien du réseau scolaire. Éducation puis secondaire, là, primaire puis secondaire. Alors, j'étais ambassadeur avec les gens du réseau, puis je me rappelle de ma première rencontre avec José Scalabrini, Sylvain Malet, puis Nathalie Morel et Sonia Etier, on s'est parlé. Puis j'avais beaucoup de croûte à manger, je dois vous le dire. Puis quand eux me parlaient de leur réalité, à ça, je suis allée sur le terrain. Puis à ce jour, le lundi matin, je vais dans une de mes écoles primaires à Saint-Laurent. Moi, j'ai envie de parler du bien-être des gens qui y travaillent. Ouais. Sincèrement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est fou, là, les heures. C'est bien, le ministre en s'en rend, je ne vais pas parler de ça, mais je trouve que nous-mêmes dans la société, souvent, on pense que les enseignants, ben, ça va bien. Le personnel de soutien, au fond, qui sont ceux qui s'occupent du service de garde scolaire notamment, mais aussi de le préposé à l'entretien administratif, hey, c'est du travail, mais tous ces gens-là, en fait, sont plus que leur fonction. Moi, je trouve que c'est des psychologues puis des travailleurs sociaux qui sont tout le temps là à vouloir là, s'occuper des enfants. C'est comme leurs enfants. Puis, je vais vous donner un exemple. Là. L'an passé, quand l'école ont fermé, l'école primaire, parce que moi, je fais du bénévolat, eux, ils ont
un indice de défavorisation 10 sur 10. Donc, c'est l'école, en fait, la plus défavorisée de tout le réseau. Ils savent très bien que 99,999 de tous les enfants, eux, sont sur la mesure d'aide alimentaire et que là, il n'y aura pas de nourriture à la maison. Ils savent que les parents n'ont pas l'argent. Ben, les profs, là, les directions d'école, le personnel au complet, là, sont virés de bord. Ils ont fait une vente de garage. Ils ont ramassé genre 20 000 $. Il fallait faire l'épicerie sur leur temps à eux. Là. Puis ils sont allés déposer les paniers alimentaires. Mais alors, la persévérance scolaire, oui, mais ils s'occupent même du bien-être des élèves, là, de leur bien-être là, physique, là, de manger, d'avoir le ventre plein, d'être heureux, d'être épanoui. Puis des fois, ils envoient des notes aux parents. Puis il y en a, dans mon école, il y en a plein que malheureusement, leurs parents sont un peu comme ma mère était, c'est-à-dire ma mère était analphabète. Donc, moi, je lisais les lettres que je recevais à l'école, puis quand ça allait bien, je lisais toutes, là, mais des fois, je passais de quelques paragraphes. Mais eux, ils sentent que plusieurs parents ont besoin d'assistance, puis ils sont là. Ils ne sont jamais arrogants. Ils sont là pour accompagner l'élève, mais même le parent. C'est ça, la liaison qu'ils font. Et c'est rendu que l'école est rendue la première porte d'entrée pour beaucoup, beaucoup de parents qui ont besoin d'aide et de ressources, comme par exemple des professionnels de soutien, orthophonistes, des psychologues, orthopédagogues. La vérité, c'est que la première porte à laquelle on cogne, c'est à l'école. De la persévérance scolaire, bien, le prof, c'est souvent l'enseignant, c'est lui le modèle. Moi, là, Lorraine Lasselle, là, ça a été ma modèle, c'est ma professeure de mathématiques en secondaire 2. Puis à ce jour, elle me suit, puis quand je fais des bons coups, elle le sourit. Puis quand je fais des mauvais coups, elle me le dit encore. Mais tu me rappelles à quel point l'école a un rôle d'ouverture sur sa communauté, puis a un impact beaucoup plus grand que ce qui se passe en lien avec le programme, finalement, scolaire. Il contribue définitivement au bien-être de la communauté. Puis tu as raison de le ramener à leur bien-être, à eux, prendre conscience d'à quel point on a besoin de les appuyer, parce que c'est vrai qu'on peut sentir vite beaucoup de pression, je pense. Parce que oui. C'est un travail humain, donc un travail humain amène un certain niveau de complexité, puis peut-être que tantôt mon trio d'analystes va en parler, mais les critères de vulnérabilité se sont complètement transformés en termes de réussite scolaire parce que le contexte social, humain, familial s'est transformé avec des hauts et des bas qui n'étaient pas nécessairement aussi... comment je pourrais dire, grand avant le contexte de la pandémie, mais qui se sont amplifiés avec le contexte qu'on a connu. Marois, pour finir, là, j'aimerais ça spontanément, je vais te nommer trois mots, là, puis spontanément, j'aimerais ça que tu me dises ce que ça signifie pour toi. Es-tu prête? Oui! OK, inclusion. Nos écoles, c'est ça que... Nos écoles essaient de laisser aucun laissé-pour-compte dans le réseau. Tout le monde est important. Éducation. Le meilleur ascenseur social, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, contre les exclusions, puis contre justement, je vais dire, l'indifférence. La motivation. C'est donc ce qu'on a vraiment tous besoin, même nous les adultes ces temps-ci. Oui, tellement. Tellement, c'est ça qu'on a tous besoin, effectivement. Fait que qu'est-ce que tu souhaites pour finir pour ce monde de l'éducation, pour notre milieu de l'éducation? En début d'année, on s'est tous souhaité de la bienveillance dans notre société. J'ai le goût qu'on se souhaite de la bienveillance pour notre réseau d'éducation. C'est vraiment l'affaire de tous. De se réapproprier l'éducation, de se dire qu'on a tous peut-être une opinion, mais qu'on peut participer au conseil d'établissement, qu'on peut être là pour notre école, qu'on peut aller faire du bénévolat dans notre école, de se réapproprier notre école. Merci Marois, je te lève mon verre. Merci d'avoir été là, ça a été un plaisir. À renouveler, je l'ai entendu. À renouveler. À la tienne, santé. Merci. Je te laisse nous quitter en fermant ton micro, ta caméra et... Bien, je vais demander à ma charmante et merveilleuse collègue à la technique de nous faire jouer l'entrevue qu'on a réalisée avec M. Jean-François Roberge, notre ministre de l'Éducation. Puis Audrey, est-ce que je dois fermer ma caméra pendant que tu vas nous partager ce vidéo-là de notre entrevue? Parce qu'il était occupé. Oui, ça va être mieux. Je ferme et je vous laisse nous écouter.
Bonjour, là, j'ai la chance d'avoir un temps avec notre ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Stéphanie. Comment ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. Écoutez, je vous dis tout le temps malgré tout. Hein, depuis un an, quand il y a des moments difficiles, on dit « Ah, c'est une journée difficile ». Quand ça va bien, on dit « Malgré la pandémie, malgré les fermetures de classe », Je parle aux gens sur le terrain et puis je me dis qu'il y a énormément de résilience. Donc, voilà. Mais c'est pas les meilleures journées, je vous dirais, en ce moment, quand même. Définitivement, c'est toute une année qu'on a vécu, puis c'est tout un contexte dans lequel on a encore la responsabilité, le rôle à jouer auprès des jeunes qui comptent sur nous en ce moment. Là, Jean-François, nous, aujourd'hui, on souhaite lever notre verre à tous les acteurs du milieu de l'éducation. Donc, c'est l'apéro en éducation. À quoi tu souhaites porter ton toast, Jean-François? Je dirais à la résilience. La résilience de tous les membres du personnel dans nos écoles, des parents et des élèves. On ne l'a pas eu facile, il reste encore des semaines difficiles, mais je crois en eux, donc à la résilience. Merci, à la résilience! Donc, la persévérance scolaire, c'est au cœur des préoccupations en ce moment, de leur réussite. On parle souvent de persévérance comme de garder sa flamme allumée. Toi, Jean-François Roberge, comme ministre de l'Éducation, qu'est-ce qui t'aide à garder ta flamme allumée? Les élèves, j'ai enseigné pendant longtemps moi-même dans le réseau public, puis chaque fois que je partais vers l'école, je pensais à mes élèves, je pensais aussi à mes collègues, à ce que j'allais faire avec eux, avec elles, mais quelle énergie j'allais trouver dans la classe, comment j'allais faire pour motiver des élèves qui l'étaient moins ce jour-là. Donc, là maintenant, dans mon rôle, je rentre travailler tous les jours. Des fois, je travaille de chez moi en télétravail depuis un an, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, les enseignants ont dû se rendre en classe très souvent, mais je vous dis comme plusieurs. Comme plusieurs, oui. Oui, et puis on pense aux élèves. On pense au personnel qui, eux, pensent aux élèves. Mais c'est ce qui nous fait courir. Exactement, parce qu'ils comptent sur nous, puis on se préoccupe dans le fond de leur bien-être à l'école. Puis comme enseignant, tu le dis, ce qui te préoccupait, c'était leur climat de classe. Hein? Comment tu trouvais que tu avais un impact sur eux? Qu'est-ce que tu avais l'impression qui contribuait vraiment à leur bien-être en classe pour qu'ils soient prédisposés à apprendre? C'est le lien, je pense, d'avoir un lien. On ne peut pas enseigner sans aimer nos élèves, là, que ce soit des tout petits du préscolaire, des jeunes du primaire, des ados, des adultes dans nos centres de formation. On dirait qu'ils le sentent. Hein? Les élèves sentent comment on est chaque jour. Ils perçoivent nos moments de joie, de doute, de stress, de bonheur intense. Puis ce lien-là, je pense, est garant du climat de classe puis de la qualité des apprentissages à la fin. Parce qu'on veut faire des apprentissages, la qualité des apprentissages qu'ils vont faire est en lien avec ce contact qu'on a avec chaque élève. Exactement. Être attentif vraiment à comment ils vont, comment tu es comme enseignant, parce que ça contribue justement à cette relation-là. Puis on l'a entendu plein de fois depuis la dernière année. Pas de relation, pas d'éducation, ça passe par là, ça passe par l'écoute, ça passe par deux humains ensemble, hein? Un enseignant, un jeune qui apprend tous les jours de ses enseignants. Là, dans la dernière année, il y a un super beau et grand mouvement qui s'est créé d'innovation, de partage, de collaboration, puis aussi de bienveillance. Hein? On a parlé du climat, ça fait souvent partie de la bienveillance. Qu'est-ce que tu retiens justement de ce grand mouvement qui s'est créé où beaucoup d'enseignants ont développé leurs compétences numériques, entre autres? Oui, bien, par la force des choses, il y avait déjà des gens qui vibraient
numérique et technopédagogie depuis des années. Je pense qu'ils se sont fait appeler pas mal les soirs de la fin de semaine. M'aiderais-tu? J'arrive pas à retrouver telle chose, j'arrive pas à activer telle fonction. Je pense que ces gens-là sont tous, ils étaient peut-être déjà un peu des leaders, là, mais ils ont été aussi des fois des assistants techniques. Je les remercie d'avoir soutenu leurs collègues. Mais il y a beaucoup d'autres enseignants qui avaient un intérêt moins grand pour le numérique. Puis, c'était correct. Et là, ils ont été un peu forcés. Donc, j'ai une pensée pour eux autres. Ce n'est pas évident de développer une compétence dans l'urgence. Hein, dans l'urgence, alors qu'il faut laisser du temps au temps, normalement. Et là, on a été forcés de plonger. Donc, merci à ceux qui ont aidé leurs collègues, sincèrement. Exact. Quel beau mouvement d'entraide. Beaucoup d'actions ont été posées, se sont prises. Puis ça, ça reste. Et là, maintenant, si on pense au rendez-vous pour la réussite des jeunes, l'éducation, tu sais, au-delà de la pandémie, en ce moment, plein de gens sont en train de partager leurs réflexions, des pistes d'action concrètes pour contribuer à la persévérance scolaire, à la réussite des jeunes. Comment ça va continuer ou comment ça va t'inspirer justement dans la suite des choses, des jours, des semaines à venir? Bien, cette consultation est très inspirante. Et c'est pour ça qu'au début, la rencontre, je dis « ça va bien », parce que j'étais dans l'énergie de cette consultation-là. C'est des forums avec beaucoup de personnes autour de la table. Et je comprends qu'en ce moment, il y a peut-être des enseignants, des parents qui disent « ouais, ça va pas si bien que ça dans le réseau, le ministre est donc bien souriant ». C'est parce que je sors de rencontres tellement mobilisantes avec tous ces acteurs-là que j'ai comme l'énergie positive, parce qu'on se projette en avant. Les rendez-vous là, pour la réussite éducative, pas seulement la réussite scolaire, je le précise, pour la réussite éducative, nous force, et ça fait du bien à ce moment-ci, à s'extraire de la réalité un peu grise en ce moment, là, avec la pandémie, les variants, des classes fermées, à se projeter à l'été prochain, mais je vous dirais surtout pour l'année scolaire qui s'en vient, et puis de dire, bon, ben maintenant, on fait quoi pour s'en sortir? À l'automne prochain, à l'hiver prochain, il faut se dire que la plupart des adultes auront été vaccinés deux fois même, hein, parce que tout le monde une fois avant la fête nationale, probablement même une seconde fois. Ça va être un univers qui va être différent. Il va rester, bien sûr, encore des relents de la COVID. Là. Ça ne sera pas 100% derrière nous, mais on peut se projeter en avant et dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on arrive à panser nos plaies? Comment on arrive à se remettre en forme, à avoir le goût de bouger, à socialiser, à apprendre davantage. Et c'est stimulant, je vous dirais, là, de regarder en avant, alors que, les prochaines semaines sont manifestement difficiles. Oui, à regarder en avant, mais aussi à voir comment les acquis qu'on a fait en accélérer dans la dernière année peuvent contribuer. Puis c'est vrai que quand tu dis à penser nos plaies, ça a laissé des traces. T'sais? Ça a laissé des traces, puis il faut les considérer parce que ça va être grandement aidant, t'sais, de les considérer pour la suite, puis continuer d'avancer de manière à ce que ce soit le plus sain et positif possible. Puis en parlant de positif, il y a constructif qui me vient en tête comme mot. Pour justement dégager une vision qui est commune, mais aussi d'inviter tout le monde à poser des actions concrètes pour la réussite éducative des jeunes, ça prend un temps d'écoute, un temps d'échange. Qu'est-ce que tu sens qui contribue le plus à établir ce climat-là propice à avoir des discussions constructives? Bien, le fait que dans nos rencontres, il y ait des gens de tous horizons, beaucoup d'enseignants, hein, c'est important de le mentionner, on a invité bien sûr les représentants des directions d'école, les représentants des directions générales, des syndicats, des universitaires, c'était très important, mais on a invité plusieurs regroupements d'enseignants
des gens qui ont pris une petite journée là, avec la direction d'école, puis on les a aidés au ministère à avoir des libérations de tâches. Et c'est du monde qui enseigne à tous les jours, qui sont venus donner les cours du terrain. Et d'avoir autour d'une même table cette pluralité de perspectives-là, c'est ça, je pense, qui est si constructif. Tout le monde regarde le même problème d'un point de vue différent. Mm-hmm. Et puis, discute pour trouver des solutions. Je l'ai vraiment senti, là. Les gens étaient là pour proposer des idées en tout respect les uns des autres. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clavardage, là, quand quelqu'un proposait quelque chose. Les gens, oui, non, attention, pensez à ça. C'est ça qui est riche. Oui, mais parce que ça permet à tout le monde de pouvoir identifier des conditions gagnantes pour que les propositions puissent prendre vie dans le contexte qui est si différent et similaire à chaque fois dans chaque école, hein, qui est composée de leur propre réalité, parce que c'est composé de gens qui sont tous différents, qui ont des réalités différentes. Jean-François, qu'est-ce que tu souhaites sincèrement pour les élèves de nos écoles? D'être en classe, d'être en classe à tous les jours, pas un jour sur deux, et de pouvoir sortir de leur classe. Quand je dis d'être en classe, c'est d'être à l'école et d'en finir avec ce concept de bulle classe. Hein? Nos jeunes ont besoin d'air, ont besoin de bouger. Je ne parle pas juste de sport, ils ont besoin qu'on enlève les fameux plexiglas là, qui bloquent les contacts humains. J'ai l'impression que c'est comme deux personnes qui viennent pour se parler, puis oups, il y a une vitre entre vous et moi. Donc, je pense que c'est de ça dont ils ont le plus besoin. Après, les plaies vont être plus faciles à penser, les apprentissages vont mieux se faire. Puis, ils ont hâte à la normalité. Exact. Puis, en attendant, bien, d'avoir des adultes autour qui sont à l'écoute, puis qui mettent les conditions en place pour que ce soit le plus sain possible, parce que c'est vrai, t'as raison de dire que ça crée de l'inconfort, ça crée vraiment de l'inconfort, le contexte actuel, autant pour les élèves que pour les enseignants. Jean-François, on sait aussi que tu es un auteur, et à l'École branchée, donc on est un média, on a un superbe magazine. Dis-moi donc, si on avait à te confier, parce que tu as une belle plume, si on avait à te confier une chronique au magazine École branchée, ça serait quoi les trois premiers sujets de tes chroniques? Hé hey là là! Elle est tellement grand! Je pense que le premier sujet, ça serait l'écho des jeunes. Je pense que j'irais... J'irais faire des vox pop, pas à la guinantelle, pour prendre les gens au pied, me moquer d'eux, là, quoi que ça fait rire. Mais je prends des vox pop d'élèves et d'ados et d'adultes dans les centres de formation pour leur donner la parole en partant. Après, je pense que je parlerai de formation continue, peut-être dans mon deuxième thème, des différentes façons, des différentes voies collaborative de faciliter la formation continue. Et puis ensuite, probablement d'interdisciplinarité. Je pense que ce sont des thèmes très importants. C'est beaucoup, beaucoup de personnes dans chaque école ont chacun une petite partie de la solution. Donc, l'interdisciplinarité, j'y crois beaucoup. Ben oui, ça fait grandir l'expertise, puis grandir l'expérience d'apprentissage également. Ouais. Ben, merci vraiment beaucoup, Jean-François, pour ce temps-là. Puis je pense que notre mission à l'École branchée, c'est de vous rappeler à chacun, donc à toi, Jean-François, notre ministre de l'Éducation, à quel point vous êtes important. Donc, tous les acteurs de l'éducation, vous êtes importants, puis vous avez un rôle fort à jouer auprès des jeunes. Fait que ce qu'on souhaite sincèrement, c'est que vous ayez la chance de mettre le meilleur de vous-même à contribution des élèves. Et donc, pour ça, bien, je te lève mon verre et je lève mon verre encore une fois à tous nos enseignants, nos parents et tous nos acteurs du milieu de l'éducation. Merci. Dans un cocktail, souvent, on dit santé. Là, on va le dire vraiment pour vrai. Je vous souhaite à tous santé. La santé, effectivement. La santé. Merci, Jean-François.
La santé, on se la souhaite. Il y a une phrase que... Hey oui, Marie-Josée, tu as le droit d'ouvrir ta caméra. Audrey et François aussi. Et en écoutant Jean-François... François, tu as ta caméra, yes sir. En écoutant Jean-François, ça m'a rappelé une phrase qui était importante pour moi. C'est celle de Roberto Gauvin, qui est un grand leader dans le milieu de l'éducation et qui a dit... Si c'est bon pour les enfants, on doit y aller. Alors, maintenant, j'ai le bonheur d'être dans la portion où j'accueille mon trio, mon troisième trio. Bon, François est un peu dérangé par sa position dans le trio, mais c'est correct, c'est un rôle important d'analyste orienté sur la solution. Comment ça va? Ça va bien! Quel moment! Ça va. Génial! OK, je vais. Ça va bien, ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Ça va vite, ça va bien. Merci d'être là. Je vais prendre le temps pour tout le monde de vous présenter. Donc, j'ai le bonheur de vous présenter ma grande amie et directrice générale de l'école branchée, Audrey Miller. Un peu dans le noir, hein? Désolée, mais très heureuse d'être là. Et j'ai une grande dame de l'éducation que j'admire beaucoup pour sa vision très inclusive de l'éducation, Marie-Josée Arnois, qui est conseillère pédagogique au Récit en adaptation scolaire. Bonjour! Bonjour! Ça frôle le bonsoir. Bonsoir, bonsoir! On a François Pichette, qui est enseignant en sciences et en mathématiques, première, deuxième, secondaire, hein? Deuxième secondaire. Deuxième secondaire à l'Académie Sainte-Marie du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Bonsoir! Oui, moi, je vais vous dire bonsoir. Et comme je l'ai fait avec tout le monde, et je pense qu'on le fera jamais assez trop, parce que peux-tu dire ça comme ça? On va lever notre verre à tous les acteurs du milieu de l'éducation parce qu'ils le méritent tous. Santé! Santé! François Partisan des Nordiques. Marie-Josée nous rappelle le Sud. Oui. On a hâte que ça arrive. Audrey, nos micro-brasseries. Oui. Alors, la gang, c'est avec vous que j'ai envie de terminer cet échange sur les rendez-vous pour la réussite éducative. J'ai le goût de vous permettre de soit rebondir sur des éléments qui sont allés là ou de nommer dans votre perspective d'autres pistes de solutions hyper concrètes pour avoir un impact sur la persévérance scolaire et la réussite des jeunes. J'ai envie d'ouvrir le micro avec Marie-Josée Arnois. C'est pourquoi je me sentais visée. Tu as senti au travers des ondes du numérique que je m'en vais vers toi en premier. Oui. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu depuis le début. C'est sûr qu'il y a des points où c'est venu me chercher. Juliette, écoute, c'est la raison d'être de mon travail, OK? Donc, c'est pour ces élèves-là que je travaille. Puis je sais très bien que le travail qu'on fait pour nos élèves qui ont plus de difficultés ou ils vivent avec des handicaps, bien, quand on travaille pour eux, ce qu'on découvre en cours de chemin, on se rend compte que ça peut aider l'ensemble de nos élèves. Mmh. Quand on met des choses en place pour certains élèves, ben, par exemple, elle donnait comme exemple le sous-titrage des vidéos, que ça l'aidait vraiment beaucoup, puis c'est vrai pour la surdité. Mais ça, on va parler ici, je vais faire quand même ma CP, on parle ici d'accessibilité des documents. Donc, s'assurer que nos élèves puissent accéder à l'information, c'est le départ d'une inclusion. OK, donc ça, le fait, merci beaucoup, Gabrielle, merci aux enseignants qui pensent rendre l'information accessible pour nos élèves pour qu'ils puissent justement faire la même tâche que les autres élèves. Donc, là, on est un peu dans la persévérance puis la motivation quand on se rend compte qu'on est capable de faire la même chose que les autres puis qu'on n'a pas nécessairement, on est autonome aussi dans le fait qu'on fasse ça. Tu sais, qu'on fasse la même tâche que les autres. Donc, nos aides technologiques vont venir nous aider justement à gagner cette autonomie-là. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que là, on a installé du sous-titrage pour une élève qui souffrait d'une surdité certaine. Mais peut-être que le sous-titrage pourrait aider d'autres élèves. Peut-être que ça pourrait aider pour accéder à l'information parce que, je ne sais pas,
il n'a pas bien compris, ou il y a du bruit dans la maison parce qu'on parle d'enseignement à distance. Donc, le sous-titrage pourrait vraiment aider. Donc, moi, j'aurais le goût de dire qu'une des pistes de solution, c'est vraiment de travailler en termes d'accessibilité des documents, de donner de l'accessibilité à puis je travaille là-dessus, là, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, là, à temps plein. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est une première des choses. Mais j'ai vraiment... je suis tellement solidaire de Mme Annie. Moi-même, étant parent d'enfants avec des difficultés, je me suis tellement reconnue là-dedans en disant comment qu'on se bat puis qu'on veut que nos enfants réussissent, qu'on veut les tirer par en haut le plus possible. Donc, l'importance du dialogue aussi entre... surtout quand on a des élèves qui ont des caractéristiques particulières avec lesquelles... Il faut conjuguer avec ça. Donc, les parents sont vraiment des alliés de premier plan. Mais moi, tu sais, Stéphanie, si tu me laisses aller, je vais prendre la parole pour tout le restant du temps. C'est toi qu'il faut qu'il m'arrête parce que je suis une passionnée d'inclusion. Je suis une passionnée aussi d'aide aux élèves en difficulté. Donc, moi, j'ai dit à m'inviter. Elle savait pourquoi qu'elle m'invitait. Donc, c'est vraiment venu me chercher. Je te fais confiance, mais je vais te redonner le micro, mais j'ai le goût maintenant d'entendre François Pichette. François, pour toi, qu'est-ce qui est essentiel au travers de notre volonté d'appuyer les jeunes pour qu'ils puissent persévérer? Bien, Gabriel, il l'a super bien énuméré tout à l'heure. C'est vraiment le lien avec l'élève. On va s'entendre qu'il y a plusieurs élèves qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un lien fort avec leurs enseignants pour réussir. Le lien, ils vont aller le chercher ailleurs. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont leur bien-être. Ils vont aller le chercher à l'école. Ils vont aller le chercher auprès de leurs enseignants. Puis au secondaire, je vais parler pour le secondaire, mais je vais parler aussi pour ma conjointe qui est au primaire. Avoir le contact avec le jeune, c'est peut-être ce qui est le plus important avant même le contenu, avant même tout ce qui peut venir avec l'école. Gabriel l'a super bien résumé tout à l'heure. Là. Puis on a eu la preuve aussi avec Juliette là, qui a vu ses notes monter en flèche, mais c'est probablement pas le fait que du contenu, c'est plus la manière que ça lui a été apporté. Le canal, c'est vraiment le lien. Le canal de communication s'est ouvert à partir du moment où elle a senti que ses enseignants et son entourage avaient à cœur son bien-être. Tu l'as dit. Mais on ne se fera pas de cachette là, comme individu, comme personne. On aime toujours savoir que les gens ont confiance en nous. Puis souvent, quand on sent qu'on a la confiance de quelqu'un, bien, ça va nous motiver à en faire plus pour cette personne-là. Fait que c'est un petit peu comme une chaîne là, qui suit après ça. Exact. Puis la confiance, elle se bâtit dans une relation. Fait que, tu sais, je pense que dans l'expérience de Juliette, il faut entendre aussi qu'elle a eu besoin de sentir que les adultes allaient prendre en compte sa réalité, qu'elle n'allait pas avoir à demander qu'on lui mette les conditions gagnantes pour qu'elle puisse réussir. Puis là, quand elle a vu que ça s'était pris en compte, la confiance envers les adultes qui étaient responsables de ces apprentissages s'est bâtie, est arrivée. Puis elle a quand même dit que ça l'avait transformée comme élève. Ça a eu un impact. Elle a senti un soutien. Fait que probablement que ça l'a motivée, ça l'a lancée. Puis elle s'est rendue compte après ça qu'elle était capable. Donc, le reste a suivi. Bien, ça a quelque chose sur le développement de la personne humaine direct. Tu as tout à fait bien nommé. Audrey, toi, ma très chère, au micro fermé. Réo, toi, qu'est-ce que tu vois qui est un levier ou qui peut avoir un impact sur la persévérance scolaire? Je ne serais pas super originale, mais avec la qualité des interventions qu'on a eues ce soir, honnêtement, je pense que j'ai moi-même réalisé pourquoi j'avais cette passion depuis si longtemps pour l'enseignement, en fait pour les enseignants carrément. Tout le monde a souligné l'importance du lien, la force du lien avec les élèves qui va même au-delà, qui était développée avant même penser passer du contenu. Puis je me suis revue aux études. J'ai toujours, au départ, là, je voulais être prof. Puis plus ça allait, j'étais convaincue que j'allais être à la hauteur de cette profession-là qui m'inspirait tellement. C'est plus je grandissais, plus je me rendais compte que le rôle de l'enseignant était quelque chose de tellement central et primordial que j'en étais
presque intimidée à la limite. Donc, j'ai fait le choix de ne pas aller en enseignement. Je n'étais pas certaine que j'allais être à la hauteur de tout ce qu'ils accomplissent. Par contre, je les aime tellement que depuis 25 ans, presque, c'est un travail que j'ai l'occasion de faire main dans la main avec eux. Puis, ce soir, je l'ai entendu encore plus. Je l'ai même entendu de Juliette, des profs, de tous ceux qui les accompagnent. Puis, j'ai comme eu quelque chose, là, tu sais, la petite émotion, là. C'est ça que j'écrivais à nos collègues tout à l'heure dans le chat. Je pense que j'en pleurerais tellement que c'est fort. Donc, le lien, vraiment, c'est ce que je retiens beaucoup. C'est certain qu'à l'école branchée, nous, d'ailleurs, on célèbre ces jours-ci nos 25 ans d'activité. Donc, c'est pas rien. Puis, 25 ans, c'est une partie de l'histoire. Je vais nous coller à l'histoire du numérique parce que certains intervenants qui en ont parlé aussi, on a soulevé les défis. Monsieur Robert, je l'ai dit, il y a des profs qui ont été comme obligés de se lancer un peu là-dedans cette année. Puis c'est vrai que c'est pas le fun de se faire comme lancer dans quelque chose quand on n'est pas super confortable ou que c'est pas un intérêt premier qu'on a au départ. Il y en a qui étaient habitués d'utiliser ça depuis longtemps, qui ont un intérêt pour ça. Ça a bien été les autres. Ça a été un défi. Je le comprends. Par contre, tu sais, je sais que depuis... On a fini aujourd'hui là, le colloque de la COP, c'était le 39e, donc l'an prochain, ils célèbrent leurs 40 ans. Ça fait quand même 40 ans qu'en éducation au Québec, on se prépare à mieux utiliser les technologies dont on dispose. Et je pense que de plus en plus cette année, on a vu à quel point pouvait servir le lien, le développement et le maintien de ce lien-là. D'ailleurs, Stéphanie, et toi et moi, on a eu l'occasion d'interviewer une dizaine d'enseignants aussi sur ce sujet-là et d'en faire un reportage. Dont François Pichette, ici présent. Dont François fait partie d'ailleurs et c'est toujours un honneur de te présenter comme ça. Mais c'est ça. Donc, le lien enseignant-élève, enseignant-famille a été nommé aussi. Le lien avec le milieu scolaire, donc des fois, c'est l'espèce d'appartenance que les élèves peuvent avoir à leur environnement scolaire au-delà de uniquement leur prof. C'est toutes des choses qui ont été nommées et qui me semblent être des clés sur lesquelles qu'il faut mettre en valeur de plus en plus. Donc, le rôle de l'enseignant, là, il a été nommé à tout le monde. On ne peut pas le nier, c'est certain. Exact. J'ai envie de vous entendre sur c'est quoi pour vous la persévérance scolaire, mais avant de vous laisser le dire, j'ai le goût de vous dire mot à mot ce que Juliette m'a nommé, parce qu'on s'est parlé avant, tu sais, je voulais m'assurer qu'elle soit vraiment comme confortable, puis qu'elle se sente bienvenue, puis de donner notre message une première fois, ça contribue à être hyper à l'aise. Puis à la fin, j'ai dit, mais tu sais, Juliette, pour toi, c'est quoi la persévérance scolaire? Puis je vous dis ce qu'elle m'a dit. Puis après ça, j'aimerais vous entendre. Puis ça peut être d'un ton personnel, ça peut être de plein de façons. Je veux savoir ce que ça représente pour vous. Puis elle a dit, bien, tu pars d'une place où on n'est pas à l'aise. En tout cas, pas tout à fait nous-mêmes. Puis qu'on trouve son idéal. Puis après ça, on voit notre moyen de s'intégrer, de devenir le meilleur de nous-mêmes. Fait que c'est de tendre vers l'idéal de toi-même, puis dès que tu le sais, elle dit, tu le partages autour de toi, puis on dirait que les gens vont t'aider à y arriver. Aïe, aïe, hein? C'est tellement beau comme façon de voir la persévérance scolaire dans les yeux d'une élève qui a vécu un cheminement qui est difficile, qui en ce moment se sent bien appuyé. Pour vous, toi François, dans ton quotidien, comment tu définis la persévérance scolaire? Je crois l'avoir entendu tout à l'heure aussi, là, lors des discussions. Je me demande si ce n'est pas Mme Scalabrini là, qui l'a mentionné, mais il y a des années, moi je vais parler de mes années au secondaire, les notes étaient très, très, très importantes. On se comparait entre nous autres. J'ai été chanceux, moi, à l'école, j'ai quand même réussi quand même assez facilement. Je n'avais pas besoin de mettre beaucoup d'efforts pour réussir et d'avoir des bons résultats, là. Mais on se comparait beaucoup entre nous autres. On était, disons, compétitifs, mais peut-être pas de la bonne manière. Je le mentionne à mes élèves parce que j'ai des groupes d'élèves là, qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis mes élèves, souvent, ils vont être déçus parce que c'est ça. Ils ont 40, ils ont 30 en mathématiques. C'est loin d'être motivant. Mais souvent, ce que ces élèves-là oublient, c'est qu'ils ont des habiletés que d'autres n'ont pas, là. Ils vont être bons au niveau de la construction, ils vont être bons en art, en dessin. Ça, je peux vous confirmer que mes notes n'étaient pas excellentes là-dedans. Donc, c'est de faire ressortir les forces aussi des élèves. Puis ça, ce petit côté-là, je crois que l'éducation l'a perdu pendant un moment. Je pense que ça, c'est revenu.
mais les notes, à un moment donné, ont pris trop de place. Puis c'était juste ça qui était ciblé. Puis c'était encore un petit peu ça quand on regarde, là, il y a certains domaines où on regarde encore les notes, mais on ne regarde pas nécessairement la personne, comment est-ce qu'elle est. Il y a du travail à faire là-dessus. Là. Ça fait partie des pistes. Là. J'avais pris des notes tout à l'heure, puis ça, ça faisait partie de mes notes d'analyste. Yes! Quel beau travail accompli, François! Yes! Mais c'est ça, on porte peut-être trop attention au contenu, puis ça, je lève mon chapeau à Gabriel, parce que Gabriel, d'après moi, il n'est pas vieux. Puis pour un jeune enseignant, des fois, c'est difficile de réaliser ça. Souvent, on va être porté sur « bon, qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne? Voici ma progression des apprentissages. » Merde, on manque une journée d'école, là, je prends du retard dans ma planification. Ça, on l'entend souvent, ça. Mais à la base, le jeune qui est au secondaire, là, il ne pense pas à ça. Là. Juliette, elle t'a parlé de confort dans son message. Bien, c'est de rendre le jeune confortable aussi. Donc, si l'enseignant n'est pas confortable, bien, l'enseignant il joue un peu le rôle de guide. C'est un peu le modèle des jeunes. Si le professeur il est anxieux, si le professeur semble courir après son temps, bien, le jeune il va s'en ressentir aussi. Fait que c'est tout ça, là, c'est un peu comme un mobile, il faut essayer de le stabiliser là, pour que ce soit le plus stable possible pour tout le monde. Définitivement. Avoir des bases stables, encourager, mais c'est vrai qu'apprendre, c'est inconfortable, mais comment on encourage ça pour que ça devienne confortable, puis que tu sais, on ait l'espace pour humainement être capable de s'engager, de se donner, d'être créatif, là, ce qui nous aide humainement. Puis un autre point aussi, c'est que les jeunes, ils ne partent pas tous au même niveau. Il y en a qui vont partir de loin, mais qui vont réussir à monter haut, mais pour d'autres, ça va être plus difficile. Puis je reviens encore à la motivation. Comme enseignant, des fois, on a le défi d'aller trouver d'autres moyens autres que justement des notes ou des petites évaluations pour montrer à l'élève, « Hey, tu es capable, là, tu vas réussir ta vie. Là, tu ne deviendras peut-être pas un universitaire, mais qu'est-ce qui dit que tu réussiras pas mieux que justement quelqu'un qui va aller chercher un diplôme universitaire? » C'est de leur prouver ça, puis on revient encore avec le lien, la confiance, puis la motivation. Mais tu leur donnes un sens beaucoup plus grand à leur devenir, puis à leur rôle dans leur scolarité, peut-être, tu sais. C'est ça que tu es en train de donner du sens à ce qu'ils font. C'est ça. Marie-Josée, pour toi, la persévérance scolaire, qu'est-ce que ça signifie? C'est tellement beau ce qu'elle a dit, Juliette. C'est sûr que la persévérance, c'est le chemin qu'on va le chemin qu'on va faire pour atteindre notre rêve. OK? Donc, au départ, il faut avoir un rêve. Il faut avoir un objectif vers lequel on va, tu sais. Donc, je parle de persévérance au sens large. OK? Donc, quand on veut que quelque chose se fasse, c'est parce qu'on a une attente, on a un objectif, puis on sait pas toujours les étapes qui vont nous mener à ça, mais on sait que c'est ça qu'on veut faire. Donc, peut-être de revenir justement, bien, apprendre à se connaître. On parlait de bien-être. OK? Donc, ça, c'est bon. Je suis d'accord avec ça. On va parler, pour être heureux, pour être dans le bien-être, bien, il y a une relation qui vient avec ça. Donc, je reviens avec le lien avec les élèves, enseignants-élèves. Il y a un lien qu'on n'a pas parlé, par exemple, ce soir. Il y a un lien élève-élève qu'on n'a pas parlé. Mais à quel point ça a tout changé pour Juliette? Oui. Donc, le lien élève-élève, tu sais, on a parlé prof-élève, prof-parent, communauté, mais le lien élève-élève, particulièrement dans un enseignement à distance, parce que là, tout le monde est isolé, bien, ça fait partie peut-être des solutions à mettre en place, à dire qu'il faut reconstruire ce tissu social-là ensemble, parce qu'on apprend ensemble aussi. Donc, oui, je peux apprendre tout seul, mais j'ai pas de plaisir. OK? Donc, l'apprentissage est lié avec une notion de plaisir. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et c'est un des quatre facteurs qui favorisent l'engagement des élèves dans leurs apprentissages, la collaboration. Fait que le faire ensemble, wow! Puis après ça, bien, tu sais, j'ai le goût de rebondir ce que François vient de dire à propos des résultats. Tu sais, on met beaucoup d'importance sur la note. Moi, je veux vous partager en tant que mère ici présentement. Tu m'as dit que j'avais le droit d'y aller. Oui. Donc, quand mes enfants revenaient avec, parce que c'est arrivé, pas souvent, mais j'en ai un en particulier qui revenait avec des moins bons résultats, OK, dans mes enfants. Puis là, ce que je trouvais important de leur dire, c'était, c'est pas ta valeur à toi, personnelle. OK, donc c'est pas parce que tu as eu 50, ça veut dire que je vais t'aimer à 50%. Tu sais, la note est beaucoup associée à l'identité, particulièrement au secondaire. Donc, cette note-là, c'est qu'est-ce que tu sais et non pas ce que tu es.
Donc, ça, c'est important. Puis c'est pour ça que dans mes propositions, je ne sais pas si monsieur le ministre va écouter, mais moi, ce serait le fun de revenir avec un bulletin avec des cotes. Mais je sais que je vais faire réagir du monde, mais là, tu sais, parce que c'est plus réaliste en termes de compétences. On a parlé de savoir essentiel, mais qu'est-ce qu'on met dans le savoir essentiel? Est-ce qu'il est question des compétences ou on va seulement avec des connaissances déclaratives, tu sais? Donc, pour voir la progression, donc d'aller vers... en tout cas, je mélange plein d'affaires, mais c'est pas tant mélangé, OK? Donc, ça se tient tout ensemble. Tout donc, est dans tout, Marjo. Tout est dans tout. Donc, mais tu sais, c'est y aller aussi, parce que quand on va aller par cote, on est moins dans... parce que moi, j'ai connu ça comme enseignante. Là. Quand on est dans plus du descriptif, c'est qu'on était plus capable d'aller cibler qu'est-ce qui est difficile, OK, ou qu'est-ce qui est réussi. Et donc, c'est pour ça que quand on dit, puis là, Gabriel l'a nommé aussi, tu sais, je te dis 74%, ça dit quoi, là? Tu sais, ça dit rien. Mais si je te donne un B, puis que je suis allé voir le descriptif, ça veut dire que tu es bon là-dedans, 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 puis que je ne vois pas telle manifestation. Bien là, ça t'aide, mais c'est pas tout de l'écrire. Là. Il y a un enseignement qu'il faut qu'il vienne avec ça. Il y a une puis communication là, qui doit venir avec ça pour que ça donne un sens à ce qu'il y a à faire comme prochaine étape. Ben oui. C'est ça. Puis là, ben, il y a un nouveau concept. Ben, je ne sais pas si c'est un nouveau concept, mais j'ai découvert ça. On parle souvent de feedback, OK, de rétroaction, qu'on va dire. Donc, la rétroaction est hyper importante pour pouvoir s'améliorer. Mais il y avait le feed forward qui est à l'opposé, puis je ne suis pas capable de trouver le mot en français, où est-ce qu'on va faire, au lieu de faire une rétroaction, de revenir en arrière, c'est de faire, donner de l'information pour qu'est-ce que tu pourrais faire pour la prochaine fois pour t'améliorer. Moi, j'appelle ça un pont vers le futur. Un pont vers le futur, mais dans une rétroaction efficace, on a ça comme élément. Mais tu sais, mais dans rétro, c'est en arrière, tandis que le forward nous permet de se pousser en avant. En tout cas, je dépose ça ici, puis on pourra s'en jaser dans un autre moment, mais ben, moi, la persévérance, ça, c'est vraiment pour atteindre ton rêve. Donc, j'ai besoin d'avoir une communication, j'ai besoin que tu me dises « Ah, OK, là, tu prends le chemin de bois, là, il faudrait peut-être que tu reviennes un petit peu par là. Tu sais, va plus vite ou va moins vite ou fais telle chose pour pouvoir atteindre ton rêve. » Tu mets un sens à où est-ce qu'on va. Ben oui, tu mets un sens, c'est atteindre ton rêve, OK? Faut que tu l'aies, faut que tu aies une motivation, un but. Puis Juliette, quand on s'est parlé, elle en a parlé aussi. C'est pour se mettre en action, elle dit, faut que tu saches un peu pourquoi. Mets-toi un but, un objectif. Et il y a une chose de mon cœur de maman que j'ai le goût de dire qui va faire écho à ce que tu viens de dire. C'est que j'ai souvent rappelé à mes enfants depuis le primaire, parce que mon grand est en secondaire 2 en ce moment, une note ne changera rien à ta véritable valeur. Fait que ça, honnêtement, j'ai tenu à le dire souvent. À chaque fois qu'on sent un petit peu d'anxiété ou d'inconfort par rapport à une note, t'as raison, il faut recadrer pour donner le sens réel que ça peut avoir. Puis c'est en lien avec les apprentissages, puis il y a des pas prochains à faire. Et j'ai toujours dit que le plus grand travail d'une vie, c'était d'apprendre à se connaître. Fait que tu sais, ça fait des bruits avec ce que t'as fait. Ma chère collègue Audrey Miller, la persévérance scolaire pour toi. J'ai envie de revenir sur les propos qu'on a entendus récemment de John Hattie, qui disait qu'on devrait valoriser davantage le progrès plutôt avant le succès, en fait. Donc, on a beaucoup tendance à dire, ah oui, vos élèves, s'ils viennent à notre école, on a 98 % de taux de diplomation. OK, mais John Hattie, ce qu'il disait, c'est, est-ce qu'on veut dans une société de gens qui ont des super top notes, mais qui ne sont pas capables de progresser? Ou si on veut des gens qui peuvent partir d'un point A et se rendre à un point B et valoriser ça, en fait? Et j'ai trouvé ça drôlement important et je pense que ça rejoint un petit peu aussi ce que Marie-Josée disait sur la beauté de la rétroaction quand on veut évaluer tout ça. Puis le fait de le feed forward, j'ai bien aimé parce que Jonathan en parle dans sa description d'une rétroaction efficace. En fait, il y a trois caractéristiques, là, j'en oublie une, mais il y a le fait que la rétroaction soit comprise par l'élève. Donc, d'abord et avant tout, il faut qu'il comprenne ce que c'est cette rétroaction-là. Et lui, il suggère fortement de toujours ajouter une piste de quoi faire maintenant. Quelle sera la prochaine étape pour t'amener un petit peu plus loin? Et effectivement, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne façon justement d'encourager persévérance, progrès et tout ça. Donc, c'est peut-être tout dans cette valorisation-là du processus de s'améliorer et de continuer. Même chose pour, je dirais que à mon sens, à moi,
on revient encore au lien. Là. Je suis aussi maman de 3 enfants. Je fais un petit lien avec ce qui nous est arrivé justement récemment. J'ai un de mes plus jeunes qui aussi, c'est pas toujours super facile à l'école. Puis un soir, il arrive, il dit, là, je lui demande ta dictée, ça a-tu bien été aujourd'hui? Puis c'est quand même dictée à tous les vendredis, ça. Il dit, bien, je suis pas certain, mais quand Madame Anne m'a remis mon cahier, elle m'a fait un clin d'œil. Puis là, ça, c'est ce qui l'avait marqué, puis il était comme super, comme heureux. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment spécial, mais quand on fait les pratiques de dictée, il est tout super heureux, puis là, il nous dit ses trucs, puis il m'explique comment il travaille. Donc, le lien. On en revient tellement, tellement. Oui, je dirais que c'est ça. Tellement, on l'entend au quotidien comme parent, à quel point ça fait la différence. On l'a entendu de Juliette aussi. Ma belle gang de trio d'analystes, j'ai le goût de vous donner comme un mot de la fin. Puis après, je veux qu'on lève notre verre, mais ça va peut-être être un mot d'un dernier toast qui va nous mener à ce long congé de Pâques. François, ça serait lequel, toi? Ton mot de la fin. Je me questionne, là, j'ai le goût d'être plate, dire le lien, mais c'est trop facile. OK, tu as le droit à un deuxième mot, François. Là... Non, sincèrement, c'est ça, c'est le travail d'équipe, justement. Là. J'aimais ça, ce que Mme Arnois disait, là, aussi entre les élèves, le lien entre les élèves. J'ai pas eu l'occasion de parler, mais aussi là, le lien avec les parents. En bout de ligne, on est comme tous liés ensemble, la maison, l'école, bon, les parents, les enfants, les enseignants. Et tous les intervenants aussi du milieu scolaire, on ne parle pas juste des enseignants. Mm-hmm. Non, pour moi, là, c'est vraiment ça, là, c'est le tout, là, c'est le travail d'équipe. Là. Tout est dans tout, le travail d'équipe, le lien qu'on a ensemble. Marie-Josée? Il y a plusieurs mots, mais écoute, je ne cacherai pas mon adhésion à l'adaptation scolaire avec le mot que je vais choisir, vous ne serez pas surpris. Alors moi, c'est aussi une piste de solution, donc je profite de ce mot-là. Tu m'as dit un mot, hein, mais ça fait 10 que je dis. C'est différenciation. Ah ouais. Différenciation, connaître les élèves, puis les accompagner dans où est-ce qu'ils sont rendus, parce que c'est là qu'on peut les tirer par en haut le plus possible. Audrey? J'ai envie de dire pour terminer qu'avec tous les défis qu'on a vécu cette dernière année, qui s'annonce être une année et demie et peut-être possiblement plus, j'espère qu'avec toutes les choses dont on a pris conscience, le lien, l'importance du lien, la nécessité de revoir nos modes d'évaluation, en tout cas, tout ce qui a été nommé, le réseautage entre enseignants, à quel point ça peut être bénéfique, l'usage des plateformes de communication numérique pour faciliter toute l'organisation de l'information entre la famille et l'école, je souhaite qu'on ne revienne plus en arrière sur ces choses positives là, qu'on a pu tirer. Alors... Pour conclure ce premier apéro en éducation, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont partagé dans le clavardage. J'espère que nos Jedi de l'école branchée étaient actifs avec vous. En fait, j'en suis convaincue. Je vais vous lever mon verre parce que tout le monde en est important dans le milieu de l'éducation. Chapeau, merci à vous, mon trio d'analystes extraordinaires. Et puis, je vous souhaite à tout le monde un super beau congé. À bientôt, on continue de réseauter à l'École branchée. Abonnez-vous à la page Facebook. Abonnez-vous à l'hebdo, écolebranchée.com/hebdo. Et abonnez-vous au magazine. Le numéro du printemps est extraordinaire. Les nécessaires adaptations de l'enseignement et de l'évaluation. On en parle dans le magazine École branchée. Merci à vous! Stéphanie, merci. Quelle merci belle beaucoup. Animation tu nous as offert ce soir. Tu avais un rêve qui était d'avoir ta propre émission en éducation. Je pense que c'est mission accomplie, puis on n'aura pas le choix de remettre ça. Vraiment. Félicitations. Merci. Un talk show en éducation publique, s'il vous plaît. On veut entendre nos acteurs plus souvent. Merci! Tellement. Merci. Bye-bye. Merci, Marie-Josée. Bye, Audrey.